كاس الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي المرسلين. أولا تحية تربوية للجميع الحضور الكريم، كذلك الشكر الموصول للبوابة الرئيسية لأساتذة التربية المدنية بالمغرب بأس ماروك في شخص عزيز أنصاري على كل المجهودات الجبارة التي يقوم بها من أجل الرقي بمادة التربية البدنية والرياضة أو الرياضية، وهو دائما يجدد وينوع باستضافة مجموعة من الفاعلين، مجموعة من الخبراء، مجموعة من الاختصاصيين في مادة التربية البدنية لإغناء يعني إغناء هذا الفضاء الرقمي اللي صراحة زيادة على هذا يعني التفاعلات اللي يوميا تقريبا، اللي لم نقل يوميا يعني كل أسبوع أو كل 15 يوم على حسب، كذلك يعني يقدم موارد رقمية مهمة في الموقع أو في لاشين، وهذا شيء جميل يعني يصفق له كثيرا. كما ما نساوش السي محمد اللي دائما التقني العجيب اللي دائما حاضر ناظر معنا وكيتحمل دائما الصعاب ديال المتدخلين. على بركة الله الموضوع ديالنا هو موضوع ان شاء الله بحول الله نتمنى على اننا اليوم ما جيناش نقدموا موضوع، بمعنى موضوع يعني اللي هو معروف، هو لي كومبيتونس بروفيسيونيل دونسينيمون اون او بي اس اونتر لي ليميت دو بريسكري اي لي كومبلكسيتي دو فاكتويل او بيان دو ريال. صراحة احنا غنقدموه يعني دون مانيير سوبرفيسيال، ماشي دون مانيير بروفوند، باسكو لان لا الوقت لا الوقت ما كيسمحناش، وكذلك ما يمكنش نقدموا لنا هذا، خصو بزاف ديال دونك بالنسبه ليا لو بلون اي لو سويفون. سا برون دو تون جو كخوا. دونك بالنسبه ليا لا بروميير بارتي فيها جو في ايسايي دو بارلي دي كومبيتونس بروفيسيونيل دونسينيمون اون او بي اس، دونك نوتامون بلانيفيكاسيون، gestion, évaluation, renforcement des acquis de base en EPS. Dans la deuxième partie, je vais essayer de parler des prescriptions et réalités du travail enseignant, c'est-à-dire mettre en évidence cet écart qui existe entre le travail prescrit et le travail réel. Inch'Allah, Inch'Allah, nous touffons. Donc, je vais vous dire, nous allons à la barakatillah. Donc, comme vous savez que généralement, donc dernièrement depuis 2012, tous les centres de CRMF, on parle des compétences professionnelles, mais aussi mabel kifayat l'mihaniya. Donc, les compétences professionnelles, ce sont des planifications, donc planification, gestion des apprentissages, évaluation des apprentissages. Adab nisbel mawad, mawad l'adiyal mawad l'marifiya. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de PS. Mais nous, le PS, qui est une autre compétence, il y a une compétence de renforcement des acquis de base en EPS. Donc, à partir de 2012 presque, donc, on a fait émerger cette nouvelle, ces modules qui sont toujours des modules professionnels, la planification des apprentissages, gestion des apprentissages, évaluation des apprentissages et compétences de renforcement des acquis de base en EPS. Nous allons essayer de marcher d'une manière simple, facile, parce que l'auditoire il peut comprendre ce qu'on dit. Je vais essayer en même temps en arabe et en français, parce que les frères, ils comprennent avec nous le contexte de quoi on parle. Donc, planification des apprentissages, généralement, c'est définition, la planification et l'organisation dans le temps de la réalisation d'objectifs dans un domaine précis, avec différents moyens mis en œuvre et sur une durée et des étapes précises. Donc, la caractéristique principale de la planification est donc la dimension du temps. Donc, quand on parle du temps, il y a une planification à court terme, à moyen terme ou bien à long terme. Les Inch'Allah, on va essayer de l'aborder par la suite. Donc, regardez-moi avec cette carte conceptuelle. Donc, pour planifier, c'est d'abord une commande d'enseignement. Donc, nous avons une contrainte organisationnelle, le public, et une contrainte institutionnelle et une contrainte
matériel. C'est-à-dire, avant de planifier les enseignements, toujours, on doit prendre en considération une contrainte organisationnelle, c'est-à-dire comme où on va organiser ce contenu, le public visé, c'est-à-dire notamment nous, pour nous, on parle des élèves. Donc, quand on parle des élèves, il y a l'aspect physiologique, l'aspect psychologique, on doit en prendre en considération toutes ces formes c'est-à-dire ces choses importantes. Les contraintes institutionnelles, c'est-à-dire nous avons des OP, nous avons des instructions officielles ou bien des orientations pédagogiques qui nous imposent, qui régissent notre travail. Donc, on est obligé toujours si vous voulez, de respecter ces orientations pédagogiques. Bien sûr, les contraintes matérielles, c'est-à-dire chaque établissement a le matériel nécessaire approprié. Il y a je ne sais pas, ça dépend des établissements. Quel est le bzaf, quel est le mandouche, quel est les installations, Donc, l'enseignant, lorsqu'il veut planifier, il doit prendre en considération toutes ces constantes, c'est-à-dire organisationnel, public, et en même temps, quand on parle du matériel et organisationnel, on parle par exemple des collègues, c'est-à-dire de l'infrastructure, avec et combien d'enseignants travaillent, les plateaux qu'il a. Donc, c'est toute une stratégie qu'il doit prendre en considération. Définir les contenus à enseigner. Et là, je vais essayer de préciser que quand on parle des contenus à enseigner, vous savez que l'éducation physique, ce n'est pas un savoir savant, c'est une pratique sociale. Donc là, il y a une différence toujours. C'est une pratique sociale qu'on a voulu enseigner, donc on a voulu rendre accessible à travers ce qu'on appelle, si vous voulez, la transposition didactique. Donc on a essayé de rendre accessible. Donc dans de contenu à enseignement, c'est-à-dire généralement quand on dit contenu à enseigner ou bien savoir à enseigner, ce sont les savoirs disciplinaires et les savoirs académiques. Donc, qui dit savoir disciplinaire, donc pour nous, ce sont les APS, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à sciences techniques des APS, et ensuite tout ce qui est académique, d'autres savoirs physiologiques ou bien qui sont enseignés, ou bien qui. Ça c'est pour les contenus à enseigner. Quand on parle des ressources pour enseigner, ou bien les contenus pour enseigner, ça c'est le côté pédagogique et c'est le côté didactique, c'est-à-dire le passage de ce savoir, ou bien cette pratique sociale, comment on va la didactiser, comment on va la rendre accessible. Donc, planifier les enseignements, ce sont toujours il y a un apprentissage et apprendre à apprendre. On dit apprendre à apprendre, c'est-à-dire faire en sorte que cet enseignant-là, il doit apprendre, donc à développer le savoir apprendre. Donc, et bien entendu avec un scénario, parce que dernièrement, on parle de l'ingénierie pédagogique, d'un scénario. C'est toujours scénariser, c'est-à-dire faire un scénario ou bien concevoir un scénario, comment je vais travailler. Donc, tout cela, c'est ce qu'on appelle la préparation ou bien la planification. C'est planifier. C'est toujours pour conduire un travail. Donc, c'est pour arriver à conduire. Donc, planifier, c'est quoi? Opération de prise de décision pour définir la direction du futur. Donc, où sommes-nous? Donc, un ensemble de questionnements. Où désirons-nous arriver? Comment peut-on réaliser tout ce qu'on désire? Donc, d'abord, il faut se situer et désirer où arriver, bien sûr. Et comment peut-on réaliser tout ce qu'on désire? Comment? C'est le comment est très important pour nous. Pardon, je ne sais pas pourquoi. Oui, donc, et on passe à la dimension de la planification. Regardez que ici, il y a toujours une dimension prévisionnelle, une dimension stratégique, une dimension organisationnelle, une dimension évaluative et une dimension communicative.
Donc, quand on parle d'une dimension prévisionnelle, c'est-à-dire la capacité de la prospection dans le futur, c'est-à-dire avoir cet esprit d'anticipation, de toujours chercher un découvreur, donc qu'est-ce que je vais aboutir à quoi? Donc, je découvre une sorte d'innovation. On passe à la dimension stratégique, c'est-à-dire c'est toujours la capacité à prévoir des objectifs, toujours chercher à prévoir des objectifs, bien entendu, des objectifs appropriés au niveau de mes élèves. Dans la dimension organisationnelle, c'est la capacité d'élaboration d'un plan d'action selon le temps prévu. Toujours le temps, la condition de temps est très importante. D'ailleurs, déjà le mot planifié, il est toujours contraint par le temps. Donc, le temps, nous avons parlé de Qabel, donc le temps, ou bien moyen terme, à court terme, ou bien plutôt court terme, moyen terme, ou bien à long terme. Quand on parle de la dimension, dimension communicative, c'est-à-dire capacité de créer des situations de communication et des négociations. Parce que quand on crée des situations, qu'est-ce que nous voulons? C'est nous voulons que l'apprenant apprenne quelque chose. Donc, des fois, on négocie, on essaye de créer une communication que la séance est une séance d'apprentissage et non pas de contrainte ou bien d'obligation. Donc, on doit essayer de communiquer. C'est qu'il est là pour apprendre. Pour apprendre, donc pour dire qu'il est là pour apprendre, on doit lui proposer quelque chose de communicatif et en même temps une négociation. Quand on dit négociation, pourquoi négocier? Parce qu'on cherche à négocier comment peut-on motiver cet apprenant, comment peut-on le scotcher, comment peut-on le toucher. Et ça, c'est très important. Donc, dimension. Et à la fin, une dimension évaluative. C'est suivi et évaluation des différentes opérations. Bien sûr, quand on planifie, toujours il y a un suivi, toujours il y a un questionnement permanent. Il y a une évaluation qui doit suivre ce travail. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien arrivé à mes objectifs? Est-ce que j'ai pu atteindre plutôt les objectifs ou non? Parce que toujours il y a, souvent dans la planification, on dit on peut tout prévoir sans prévoir quelque chose ou bien tout planifier, mais la planification c'est une autre chose et d'ailleurs c'est ce qu'on va essayer de voir dans la deuxième partie, c'est cette dichotomie, cet écart qui existe souvent entre le prescrit, c'est-à-dire ce qu'on prépare, ce qu'on planifie, ce qu'on on fait et ce qu'on fait réellement. Donc, planifier, c'est d'abord connaître les savoirs relatifs à la planification des apprentissages en EPS. Donc, c'est tout le choix. Donc, quand on dit planifier, tous les savoirs relatifs à la planification des apprentissages en EPS. Donc, quand on dit savoir, c'est les sciences techniques des APS. C'est aussi connaître l'enfant, c'est-à-dire sa physiologie, sa psychologie et tous les textes ou bien toutes les choses qui sont en relation avec l'apprentissage. Tous les paramètres qui pourront nous donner une bonne manière d'apprendre. Ensuite, effectuer des choix didactiques en cohérence avec les textes régissant l'enseignement de l'EPS. Qui dit les choix didactiques? Bien entendu, nous avons toujours un canevas, nous avons des OP qui nous orientent, qui régissent notre travail. Donc, nous sommes obligés de toujours de respecter ces textes officiels parce qu'ils sont conçus par des gens, des connaisseurs qui ont essayé de nous donner quelque chose de c'est vrai que ce n'est pas, on ne doit pas l'exécuter à 100%, mais avec une certaine réserve. Délimiter les contenus d'enseignement adaptés aux besoins des formés. Bien sûr, chaque enseignant, lorsqu'il planifie, ça dépend du niveau ou bien des niveaux des élèves. Donc, quand on dit des niveaux, c'est des besoins des formés. Parce que chaque formé, chaque élève, chaque niveau, il a un besoin bien déterminé. Donc bien sûr, l'enseignant, il est censé connaître ou bien délimiter ces contenus d'enseignement toujours en parallèle, toujours en prenant en considération le niveau des élèves, leurs besoins, leurs... Donc, c'est ça. Donc, élaborer un projet pédagogique
en collaboration avec des collègues. Donc, parce qu'en général, la planification qui se fait individuelle, généralement, elle doit d'abord débuter par une planification collective, c'est-à-dire toujours un projet pédagogique en collaboration avec ses collègues, parce que nous, en EPS, on partage tout. On partage tout. Donc, on travaille ensemble, donc des fois dans un même plateau, si on n'a pas assez de plateaux, donc on est obligé d'élaborer un projet où il y a un consensus, où toujours on doit en concertation entre tous les collègues pour bien se mettre d'accord sur un plan, sur un projet qui sera bien entendu rentable à tout le monde. Ensuite, on passera à élaborer un cycle d'apprentissage en EPS. Donc, bien sûr, à partir d'un projet pédagogique, l'enseignant essaye d'élaborer un cycle d'apprentissage en EPS, bien entendu, toujours en respectant les OP, c'est-à-dire cette manière, cette forme qui est toujours dictée dans les OP. Ensuite, concevoir des activités d'apprentissage, situations, exercices pertinentes. Donc, le choix des situations est très important parce que plus un enseignant, c'est un connaisseur, plus il a cette capacité, cette compétence de bien trouver les situations appropriées. Parce que des fois, malheureusement, c'est que quand l'enseignant ne prend pas en considération l'apprenant ou bien les contenus, il propose une situation peut-être qui sera très difficile. À ce moment-là, les apprenants ne pourront pas apprendre ou bien ne pourront pas poursuivre le cours parce que généralement la représentation que l'enseignant a de la situation, lui, il la considère des fois très facile, alors que l'apprenant, il la trouve très difficile. C'est normal, l'enseignant a un vécu sportif, a un savoir, déjà une expérience. Pour lui, c'est une expérience ou bien c'est une situation facile. Donc, qui dit facile pour lui, mais pour l'apprenant, elle n'est pas aussi facile que l'enseignant le dit. Donc, il faut trouver des situations pertinentes. Quand on dit pertinentes, efficaces et appropriées. C'est très, très important, appropriées. Ensuite, à la fin, on doit concevoir des moments d'évaluation. Et d'ailleurs, le moment d'évaluation, on va ensuite en parler, ce n'est pas toujours à la fin d'une séance ou bien à la fin d'un cycle. L'évaluation, elle doit être une évaluation formative. C'est un questionnement permanent. C'est toujours, on doit se dire, est-ce que j'ai réussi? Je dirais même d'une situation à une autre, d'un exercice à un autre. Toujours, il doit chercher à évaluer parce que quand il évalue, c'est quoi? En quelque sorte, il est en train de s'auto-évaluer cet enseignant-là. Est-ce que vraiment le contenu qu'il a proposé, c'est un contenu adéquat, approprié à ces élèves-là? Parce que lorsque les élèves apprennent ou bien il y a un apprentissage, eh bien, essentiellement, sa situation, elle est réussie parce qu'il a bien su la modeler ou bien su la proposer. Ça, c'est très important. Donc, en quelque sorte, les moments d'évaluation, ce sont des retours pour l'enseignant. En quelque sorte, c'est une pratique réflexive, c'est une réflexivité, c'est une introspection sur la manière d'agir. Parce que comment il a agi, comment il a proposé, comment il a pu réussir cette situation. Donc, une petite conclusion de la planification, c'est toujours confronté à des planifications différentes, celles-ci, bien que chacune d'elles obéisse à sa propre logique, néanmoins, elles restent complémentaires et intimement liées. Donc, qui dit, on parle d'un programme national, c'est-à-dire les textes officiels 2007 ou 2009, et un projet pédagogique d'établissement que malheureusement, le projet d'établissement toujours reste quelque chose de très difficile, de souhaitable, et que la majorité des enseignants n'ont pas pu le réaliser. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ils n'ont pas assez approprié le concept. Et d'ailleurs, c'est vrai que des fois, quand on dit le projet, on exécute tout ce qu'on propose, et le projet est loin. Et le chemin est loin du projet à la chose. Donc,
On passe à un projet pédagogique de PES généralement où on peut établir, on peut travailler sur toutes les activités qu'on peut programmer, si vous voulez, dans un établissement. Ensuite, on passe à une répartition cyclique. La répartition cyclique est très importante dans un établissement parce qu'elle permet d'abord cette manière de passer à tour de rôle dans des plateaux. Vous savez que malheureusement, nos élèves sont toujours motivés par les sports collectifs, alors que les sports individuels sont où il y a un peu de la monotonie, un peu de l'ennui. C'est peut-être c'est pour cela que cette manière de répartir d'une manière cyclique donne la chance ou bien l'opportunité à tous les enseignants de renouveler donc à partir d'un sport individuel, on passe à un sport collectif et individuel ou bien gymnastique, etc., etc. Donc, qui dit projet prévisionnel, donc c'est sûr, c'est un projet que l'enseignant va essayer d'établir et de proposer, mais à travers, tout d'abord, s'il peut le faire à travers un projet pédagogique, c'est-à-dire qu'il doit émerger à travers le projet pédagogique de l'établissement et aussi des besoins de, si vous voulez, toujours besoin des élèves et du contexte social où est ancré cet établissement. Ensuite, on va passer à la séance ou bien à la leçon de PS. C'est toujours une situation, une leçon qui doit respecter, c'est-à-dire la partie introductive, la partie moyenne et la partie finale, c'est-à-dire intermédiaire ou bien et la partie finale. Donc, il y a toujours, ce sont des choses, moi, je ne vais pas parler de ça parce que ce sont des choses qui sont bien ficelées, bien travaillées et que dernièrement, on peut facilement trouver des situations ou bien des leçons de PS sur Google. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que l'enseignant doit concevoir, doit construire ses propres leçons parce que ça diffère d'un élève à un autre, d'un continent à un autre, d'un établissement à un autre et même d'un enseignant à un autre. Donc, et on passe à la tâche motrice qui est très connue. Donc, la tâche, c'est-à-dire comment proposer sa tâche avec ses buts, avec ses contraintes, avec ses conditions de réalisation, etc., etc. Et enfin, on va passer au projet d'ASS qui est très important, c'est-à-dire l'enseignant, souvent, des fois où lorsqu'il est frustré dans une séance de PS parce que vu la contrainte d'effectifs, où il a la contrainte d'effectifs et la constante, ou bien si vous voulez, tout pour lui n'est pas il n'est pas très à l'aise parce que déjà, donc, mais dans un projet d'ASS, il peut trouver l'enseignant, il peut d'abord démontrer ses connaissances sportives, ses connaissances d'expérience, ou bien si vous voulez, tout ce qu'il sait sur un sport bien déterminé, ou bien une passion pour lui, où il va essayer de la travailler dans un projet d'ASS. Donc, pour la planification, donc il y a des critères de vérification. Toute planification doit répondre aux critères suivants. Donc, il y a d'abord la pertinence, la cohérence et l'applicabilité. Donc, qui dit pertinence, les objectifs poursuivis dans la leçon permettent-elles de progresser vers l'atteinte des objectifs de l'étape du cours, les objectifs terminaux du cours ou ceux du programme. Donc, toujours, on a cette pertinence. Est-ce que, vraisemblablement, ce que nous avons proposé dans notre planification est pertinent? Donc, le contenu prévu est-il suffisant? Pas en trop grande quantité, juste assez, juste à temps. C'est-à-dire, toujours, on essaie de vérifier la pertinence de notre planification. Deuxième chose, c'est la cohérence. C'est-à-dire, est-ce que les objectifs poursuivis dont la leçon permettait-il à l'élève de percevoir les liens entre les activités prévues? Les stratégies pédagogiques sont-elles adaptées aux objectifs poursuivis? Bien sûr. Les stratégies d'évaluation sont-elles en lien avec les objectifs annoncés à l'élève? Oui, c'est très important. Il faut toujours annoncer
la stratégie d'évaluation, c'est-à-dire ce que nous voulons évaluer, c'est-à-dire évaluer non pas l'individu ou bien l'élève, mais ce que nous voulons évaluer la compétence ou bien qu'il a acquéri. Et enfin, donc, nota bene, l'évaluation est un moment clé de la planification. Nous y reviendrons avec plus de détails. Et le troisième critère, c'est l'applicabilité. Donc, les objectifs poursuivis dans la leçon sont-elles réalisables? C'est-à-dire, cette employabilité, est-ce qu'elle est là dans les conditions environnementales où le cours se déroulera? C'est-à-dire, des fois, on peut importer, parachuter un travail planifié, mais du coup, il n'est pas réalisé dans un environnement bien déterminé. Donc, on se pose la question. Donc, les moyens prévus sont-ils disponibles? Donc, est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour réaliser, pour appliquer la faisabilité de cette planification? Et ensuite, le temps alloué ou prévu est-il réaliste? Parce que des fois, je ne sais pas, est-ce que ce dosage du temps, parce que c'est très important. Des fois, l'enseignant peut proposer une situation qui peut durer 5 minutes, 10 minutes, même pas. Est-ce que ce temps alloué à la situation est suffisant? Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que effectivement, l'enfant ou bien l'apprenant peut apprendre quelque chose? Surtout s'il a un effectif nombreux. Donc, le temps est très important dans cette perspective-là. Donc, ça, tout ce qui se rapporte à la planification. J'ai dit que j'étais un petit peu superficiel parce que je ne pouvais pas donner des exemples à 100%. Mais on a essayé de vous donner une assise théorique, surtout pour ceux qui, les enseignants, ou bien pour ceux qui veulent intégrer la profession d'EPS, d'enseignant d'EPS. On passe à la deuxième compétence, c'est la compétence, c'est gérer ou bien la gestion. D'abord, gérer, c'est quoi? La définition de la notion de gestion, c'est la gestion est une tâche très complexe parce qu'elle n'est pas aussi facile que l'on croit, mais elle est très, très complexe. Parce que c'est un ensemble d'actions que l'enseignant conçoit, organise et met en œuvre avec ses apprenants et pour ses apprenants en vue de favoriser leur implication dans l'opération enseignement-apprentissage. Donc, les soutenir, les orienter et développer leur apprentissage. Et donc ce n'est pas une tâche facile, elle est toujours complexe parce que il y a, et si vous voulez, c'est la tâche la plus difficile par rapport à la planification, parce qu'on peut planifier, on peut trouver des contenus proposés, mais c'est lorsqu'on veut mettre en œuvre cette planification, c'est ça le problème, c'est ça la difficulté qu'on trouve, ou bien la majorité des enseignants trouvent des difficultés. Donc, on va parler comment ça, les difficultés, de quoi je veux parler. Donc, la gestion, le plus souvent, elle comporte deux fonctions interdépendantes et complémentaires. Une fonction didactique, elle concerne la gestion des apprentissages dans la matière enseignée. Et une fonction pédagogique, elle concerne tout ce qui est en rapport avec la gestion de la classe. Maintenant, je vais essayer de rappeler un petit peu une petite définition sont des novices, des néophytes l'enseignement. Quand on parle d'une fonction didactique, en général, didactique, il y a une littérature qui définit la didactique en général, mais nous, on va essayer de vulgariser, de simplifier. Quand on parle de didactiser ou bien didactique, une fonction didactique, c'est le plus souvent, c'est rapprocher le contenu à l'apprenant. Bon, s'il vous plaît, faites attention avec moi, c'est rapprocher un savoir à un apprenant, c'est didactiser un contenu, c'est très simple. C'est vrai que, en vulgarisant le propos de cette manière, c'est très, très simple, mais comment le faire, ça c'est une autre histoire. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le concept.
Didactiser ou bien didactique, c'est le plus souvent, c'est rapprocher un savoir à l'apprenant, le rendre accessible et intelligible. Deuxième fonction qui est la fonction pédagogique. La pédagogie, c'est l'inverse de la didactique. C'est rapprocher l'apprenant au contenu. Parce que c'est l'inverse, c'est rapprocher l'apprenant. Parce que quand on parle de pédagogie, il y a toujours la présence de l'apprenant. Et c'est une présence réelle. Alors que dans une fonction didactique, plus ou moins, elle est soi-disant virtuelle. L'apprenant, il n'est pas toujours présent. C'est vrai qu'on le met toujours, il est là. Quand on planifie selon les besoins des élèves, selon le niveau, c'est-à-dire la présence, elle est toujours, mais il n'y a pas une présence effective. Quand on parle d'une fonction pédagogique, la présence de l'élève, elle est là. Il y a une interaction, alors que dans la première fonction, il n'y a pas d'interaction. Donc, cette interaction nous incite ou bien à comprendre que la fonction pédagogique, généralement, c'est rapprocher l'apprenant du contenu. Donc ça, j'ai essayé de vulgariser, de faciliter un petit peu les propos pour ceux qui toujours y trouvent une ambiguïté, une confusion entre pédagogie et didactique. Donc, j'ai reçu souvent connaître les savoirs relatifs à la gestion des apprentissages en EPS, adopter des styles d'enseignement et des approches pédagogiques en adéquation avec les textes, toujours les textes régissant l'enseignement en EPS et le compte de la classe. Donc, créer et préserver un climat pédagogique favorable aux apprentissages, susciter la motivation des élèves et les encourager. C'est-à-dire qu'il faut toujours valoriser. Et quand on parle de motivation, il y a deux sortes de motivation, si vous savez, que la motivation intrinsèque, extrinsèque. Donc, extrinsèque, c'est souvent ce qui est extérieur, c'est-à-dire cette forme de renforcement, de encouragement qu'on fait, c'est-à-dire la médaille, le diplôme, ou bien, mais ça, c'est l'extrinsèque. Mais l'intrinsèque, c'est l'affirmation de soi. C'est comment devenir. Et le plus souvent, les spécialistes essayent de développer la motivation intrinsèque chez les élèves au lieu de leur développer la motivation extrinsèque. Adopter une communication pédagogique nette et précise. Vous savez qu'aujourd'hui, que la majorité, d'ailleurs, si vous êtes au courant, c'est que dernièrement, nous avons essayé d'introduire un nouveau concept qu'on appelle les soft skills ou bien le maharat al-hayatiya ou le maharat al-marina. Parce que nous avons trouvé que ce qu'on appelle, entre parenthèses, les compétences dures, les dures ou aoumayusma, tout ce qui est professionnel, ils ont trouvé que ce qui nous manque, ce sont les compétences comportementales et sociales, notamment au niveau de la communication, c'est-à-dire ces soft skills dont on parle aujourd'hui, c'est cette empathie, cette écoute compréhensive, cette transformation de conflits, cette manière d'appréhender l'autre, ce leadership, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Intra, c'est-à-dire de l'individu, et inter, c'est-à-dire ce qui existe entre l'enseignant et l'apprenant et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut toujours créer un climat de confiance, d'assurance et de sécurité pour que l'apprenant puisse apprendre. Et dans cette manière de gérer, on parle de la meilleure façon de gérer une classe, c'est quatre manières, les meilleurs spécialistes parlent de... D'abord, il faut toujours créer un lien de communication, c'est-à-dire essayer de créer un lien entre l'enseignant et les apprenants. Essayer de toujours parler de quelque chose qui les attire, qui les motive, qui toujours essayer d'échanger avec eux. Premièrement, première chose, c'est créer le lien. Deuxième chose, c'est la planification. Il faut toujours planifier son travail pour bien gérer sa classe. Troisième chose, c'est la crédibilité. La crédibilité d'un enseignant est très importante. C'est-à-dire qu'il doit être crédible et juste avec ses élèves. Et lorsqu'il dit une chose, il doit la respecter. C'est-à-dire lorsqu'il tient quelque chose, ou bien c'est très important. Ne serait-ce que des fois, quand on veut dire à quelqu'un,
entre guillemets, il faut le tuer. Non, mais c'est un petit peu exagéré, mais l'essentiel de l'Ismaïlia, il faut être crédible, c'est-à-dire avoir ce sens de crédibilité. À ce moment-là, il va toujours plus ou moins faire ce que vous dites tout le temps. Et la dernière chose, c'est l'adaptabilité ou bien l'adaptation. C'est-à-dire l'enseignant doit toujours avoir cette manière, cette capacité de s'adapter. C'est-à-dire s'il propose quelque chose et trouve une difficulté, il doit toujours faire ce qu'on appelle, ou le concept dont j'ai déjà parlé, c'est la pratique réflexive, c'est toujours réfléchir dans l'action, et sûr, bon sûr c'est après, mais dans, c'est au moment de l'action, et trouver une solution, un réajustement sur le champ. Donc, assurer des remédiations ponctuelles et ciblées, c'est l'ajustement, c'est le réajustement de lancer, toujours avoir cette compétence. Agir conformément à l'éthique professionnelle, bien sûr, nous avons une éthique professionnelle qu'on doit toujours respecter. Et d'ailleurs, c'est une compétence, normalement, c'est une compétence d'éthique professionnelle qu'on doit toujours avoir pour être respectueux. Moi, ici, je vais essayer de vous montrer, parce que j'ai essayé de parler des styles d'enseignement et des approches pédagogiques. Je vais essayer d'un petit peu de rapprocher ceux qui, je ne sais pas, parce qu'une majorité connaît ça, mais les autres, je ne sais pas. Donc, un travail qui a été par Daniel Boutier, où il parle des différentes pédagogies. Daniel Boutier, il parle de la pédagogie, la PME, la PMA et la PMD, T. C'est-à-dire la pédagogie du modèle d'exécution, une acquisition des techniques, théories. Bien sûr, c'est l'assise behavioriste où il y a apprendre un geste précis dans une situation donnée, coup droit au tennis avec. Donc, c'est une pédagogie du modèle d'exécution. C'est où l'apprenant va exécuter ce que l'enseignant va lui proposer, tout court. Et généralement, on le fait, par exemple, dans les situations ou bien dans les APS individuels, en gymnastique ou bien en sport individuel. Quand on va passer à la pédagogie du modèle auto-adaptatif, c'est une situation où ce n'est pas une situation problème, mais c'est une situation aménagée. C'est-à-dire mettre l'élève dans un environnement qui va l'amener à apprendre, exemple en ski avec un circuit, suivre une trace dans la neige, avec des bosses, on adapte son ski au milieu. Après, on met des portes pour passer sous les portes qui sont sous les bosses. Donc, il faut fléchir les jambes. Donc, c'est une situation aménagée où on essaie où il y a de la créativité, la découverte, et c'est une théorie socio-constructiviste normalement, c'est de Vygotsky. Je ne sais pas si je pourrais expliquer plus tard. Et la pédagogie du modèle de décision tactique, elle est basée sur la prise de conscience, situation la plus proche où l'élève prend une. Là, il y a ce qu'on appelle la situation problème. La situation problème, c'est une situation où on doit déstabiliser l'apprenant, une déstabilisation cognitive. Lorsqu'il est déstabilisé, il va essayer de mobiliser ses ressources pour trouver la solution. Et d'ailleurs, Philippe Mérieux parle d'un concept ou bien d'une citation extraordinaire de la situation problème lorsqu'il dit: faire ce qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire. Faire ce qu'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire. C'est-à-dire, quand vous proposez une situation, il faut le déstabiliser. Il faut que l'apprenant se déstabilise cognitivement et en plus, bien entendu, et au niveau de sa motricité. Et donc, c'est à lui de découvrir ou bien de chercher la solution. Bien sûr, quand on parle de ça, généralement, c'est le travail qui a été fait par Piaget, c'est-à-dire les concepts de l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration. Parce que qu'est-ce que ça veut dire déstabilisation? Il va se déséquilibrer. Donc, du coup, lorsqu'il va se déséquilibrer, il va essayer, première chose, c'est d'assimiler cet apprentissage à un apprentissage antérieur qu'il connaît déjà.
Donc, ce n'est pas la même chose. Il va essayer de s'adapter, de s'accommoder. Ensuite, dans cette adaptation et cette accommodation, il va ensuite se rééquilibrer d'une autre manière. Donc, et si je vais attirer votre attention, quand on veut proposer la situation problème, en EPS, on parle du décalage optimal de Lindahl. Mais d'ailleurs, elle a appris le concept de qui? C'est de Vygotsky. Vygotsky, il parle de la zone proximale de développement. C'est quoi la zone proximale de développement? C'est la distance qui sépare l'apprenant lorsqu'il apprend tout seul et apprend en compagnie d'un adulte. C'est-à-dire cette distance, ou bien d'une autre manière, cette zone de rupture et une zone d'auto-formation. C'est-à-dire il faut proposer la situation dans la zone proximale de développement, ni facile ni difficile. Parce que facile, il n'apprend rien, et difficile, elle va le frustrer. Donc, dans la zone proximale de développement dont parle Vygotsky. Mais pour la proposer dans la zone proximale de Vygotsky, il faut être très averti. Il faut être un professionnel, quelqu'un d'un connaisseur, parce que ce n'est pas aussi facile qu'on le dit. Je vais résumer un petit peu ce que j'ai fait pour la gestion générale. Nous avons des compétences professionnelles, planification, gestion, évaluation et communication. Donc ici, si vous voulez, dans cette dimension des appels, donc nous avons toujours la compétence de planification, toujours regarder une dimension didactique, parce que planifier, c'est souvent une intervention didactique. Quand on parle de gérer, c'est une dimension pédagogique. C'est vrai que dans la dimension pédagogique, on peut avoir une petite dimension didactique si, par exemple, l'enseignant a affaire à changer de contenu sur le champ, donc il peut modifier didactiquement les choses. Donc ici, j'ai essayé de vous donner un aperçu sur les styles d'enseignement qu'accordent dernièrement, ou bien qu'on part sur l'analyse des pratiques d'aujourd'hui, c'est l'approche méthodologique, approche relationnelle et approche pédagogique. Donc, il y a le temps, on va essayer de les détailler, Emmanuel. Donc, toujours, nous avons un style direct, un style indirect, et approche relationnelle où il y a toujours un feedback, c'est-à-dire on doit toujours trouver un feedback entre l'enseignant et l'apprenant. Éloge et critique, c'est-à-dire faut toujours valoriser, essayer de valoriser et non pas critiquer l'apprenant. La dévolution, c'est le responsabiliser l'apprenant, c'est-à-dire dans une approche. Variation des questions, varier les questions. Pour nous, en EPS, ce n'est pas variation des questions, mais c'est varier les situations. Enseignant passionné, toujours, c'est une approche où l'enseignant est passionné par son métier, donc il trouve une façon d'enseigner d'une manière très facile. Et la compétition individuelle, c'est-à-dire trouver toujours à proposer des choses ou compétitives avec les élèves. Approche pédagogique, c'est un style transmissif, ou bien ce qu'on appelle la méthode frontale, magistrale. C'est le style transmissif qu'on connaît toujours, les autres matières, style interrogatif, maïotique, style incitatif, style guidé et style permissif. Donc, il y a quelque chose, Inch'Allah, on va le détailler parce que ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Donc, évaluer, on passe au quatrième ou bien au troisième compétence, c'est connaître les savoirs relatifs à l'évaluation des apprentissages en EPS, concevoir et mettre en œuvre des différents outils d'observation-évaluation, donc grilles, fiches, tests, donc déterminer le niveau et les besoins des élèves, structurer le groupe classe, c'est toujours savoir comment gérer un groupe classe, structurer la classe, procéder aux remédiations nécessaires, certifier les acquis des élèves et contribuer à l'orientation des élèves. Moi, ici, je vais essayer de faire quelques recommandations au niveau de l'évaluation. Évaluer n'est pas trier ou classer. Donner une valeur éducative à l'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut lui donner une valeur éducative au premier plan.
partager les informations plutôt que comparer les individus. Il ne faut jamais dire hada hasan min hada, mais il faut toujours partager les informations que chacun, parce que c'est très important cette manière, ou hadir takhlaf notre manière de communication. Il faut toujours ne pas comparer. Évaluer l'apprentissage plutôt que la personne. Des fois, quand on parle, on oublie comme enseignant et on parle de l'individu. On parle que si on parlait à la personne. Alors que normalement, votre conduite, votre manière, votre comportement, votre façon de faire qui n'est pas appropriée. Donc, on essaie toujours de savoir dire les choses normalement. Distinguer l'erreur de la faute. Vous savez que l'erreur et la faute, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut la distinguer parce que l'erreur, il faut toujours la positiver. Au lieu de la rendre négative, il faut la positiver. L'erreur, c'est un tremplin et ce n'est pas un... Si vous voulez, c'est un tremplin qui va nous aider à nous évaluer ou bien à savoir. Parce que sans erreur, on ne peut jamais... arriver à perfectionner ou bien notre apprentissage. Introduire des processus collectifs et coopératifs, c'est-à-dire essayer de proposer des processus collectifs entre les apprenants, c'est-à-dire essayer de trouver des normes, des grilles d'évaluation collectives ou bien coopératives entre les apprenants et aussi ils participent à cette évaluation. Aligner curriculum et évaluation. On ne peut séparer l'évaluation des objectifs et circulaire du système. Donc, enseignement, apprentissage et évaluation forment un continuum. Donc, il faut toujours parler que quand vous enseignez et vous faites de l'apprentissage et l'évaluation, c'est un continuum qui passe. Donc, il ne faut pas faire cette dichotomie entre ce que vous enseignez et lorsque vous évaluez, c'est une autre chose. Non, l'évaluation, c'est un continuum de l'enseignement et de l'apprentissage. Pas plus de value sans des adéquations entre construction des apprentissages et mode d'évaluation. C'est-à-dire, quand on construit des apprentissages, toujours prendre en considération comment je vais évaluer. Et quand j'évalue, l'apprenant doit savoir, ou bien on doit toujours lui faire savoir qu'est-ce que nous cherchons à évaluer pour que lui, il puisse travailler sur... Parce que des fois, c'est le sens. Distinguer l'évaluation pour apprendre de l'évaluation pour vérifier. C'est-à-dire distinguer que l'évaluation, elle sert à apprendre et non pas toujours à vérifier. C'est clairement la compréhension ou la réalisation des objectifs apprentissage, concevoir des évaluations qui centrent l'attention des élèves sur la compétence à acquérir plutôt que sur l'indicateur d'évaluation, la note. Donc, toujours chercher à ce que l'apprenant vient pour apprendre quelque chose et non pas pour être évalué. Parce que la plus souvent des enseignants, donc essayer de leur proposer un contenu d'apprentissage, mais toujours de les menacer de notes. Distinguer l'évaluation de la performance cognitive et de la récompense de l'effort. Ne pas nourrir les malentendus sur le but d'apprentissage, la tâche qui est sorte, et ça va. Donc, il y a quelques recommandations. C'est vrai que le temps qui est zahmna, il y a une autre partie de l'évarine chtaréliha. Donner tout son temps au retour vers l'élève. Permettre la compréhension des objectifs pédagogiques et des critères d'évaluation. Toujours impliquer les élèves. Co-évaluation, restitution, collective, évaluation formatrice. Donc, toujours la rétroaction, feedback. Donc, toujours le temps d'évaluation en cours d'enseignement, pas forcément à la fin. Je peux, mais je suis à la fin ou à la fin d'évaluation certificative. Ça dépend ce que je veux viser. Donc, ouvrir vers une correction ou une adaptation de l'enseignement. Donc, à la fin, des types de fonctions de l'évaluation, je vais entrer les détails, parce que souvent, c'est diagnostic, formatif et sommatif. C'est les fonctions. La fonction, pour chaque évaluation diagnostique, c'est une fonction d'orientation. Et c'est une formation d'orientation.
بالنسبه للايفالواسيون فورماتيف سي اون فور سي اون فونكسيون دو ريغولاسيون اي دو ريجوستمون باسكو لا بروميير هي توجيهيه الثانيه هي تعديليه والاخير هي تصديقيه سي اون فاليداسيون لي باسكو كون جو في ليفالواسيون سوماتيف سي فيني je ne régule plus mais lorsque je régule lorsque je travaille sur une évaluation formative là ma fonction c'est elle est fonction de régulation et c'est une fonction formative plutôt donc alors que dans la première c'est souvent c'est détecter le niveau c'est une orientation le projet de cycle ou peut-être les prochaines situations d'apprentissage les mukindir. Donc, akhiran, compétences, où je vais essayer, donc, Nisbalina, renforcement des acquis de base en EPS. Donc, c'est le couronnement de toutes ces compétences. La première, planifier, gérer et évaluer. Donc, connaître les savoirs disciplinaires, techniques et tactiques et réglementaires relatifs aux activités physiques et sportives. Donc, vous devez... Parce que quand on enseigne, malheureusement, des fois, il y a des enseignants qui enseignent un contenu, une APS, et lui, il ne maîtrise même pas le règlement. Parce que c'est inconcevable, enseigner un contenu, une APS, et vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Donc, des fois, surtout que l'information aujourd'hui, c'est une information qui se trouve partout. Donc, essayez de, donc toujours de savoir, tout, donc essayez de se spécialiser dans une APS bien déterminée. Donc, concevoir un plan d'entraînement pour une équipe scolaire, c'est souvent le cas des entraîneurs ou bien des gens qui sont passionnés par une APS bien déterminée. Donc, il va trouver le moyen de développer et d'affirmer son vécu professionnel, c'est-à-dire à travers une équipe scolaire, un plan d'entraînement. Organiser une manifestation sportive, ce n'est pas évident. Donc, organiser un cross dans un lycée ou dans un collège, donc il faut essayer d'organiser à la manière d'un cross, donc toutes les, c'est-à-dire la manière d'organiser pour piloter, pour savoir comment, parce que c'est très très important la manière d'organiser une manifestation sportive, surtout qu'on doit être juste, crédible avec les apprenants. Des fois, quand on a réévalué la course de durée, il y a un cas de cachera, 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 donc un cross. Donc, c'est très important. Il faut essayer de trouver des stratégies ou bien d'apprendre. Et ce sont des habiletés qu'on doit apprendre, bien sûr. Assumer une tâche d'arbitrage dans une pratique sportive optionnelle. Quel cas, au bout de quelques enseignants qui harbouent l'arbitrage. Bon, et donc, c'est très bien. Donc, il doit s'impliquer dans une spécialité, dans un APS, parce que au niveau parce que l'arbitrage, c'est une variable de l'apprentissage. Comment voulez-vous parler d'un contenu parce que vous allez travailler, je ne sais pas, travailler le 3 secondes au basketball. Bon, c'est un déjà. Pourquoi il dribble? Pas tout simplement pour ne pas faire une double dribble. Donc c'est la manière de يعرف علاش راه ها المشكل اللي عندنا اما كان يمكن يتمشى راه ماشي مشكل ولا مارشي donc خصو يعرف بان l'arbitrage c'est une variable de l'apprentissage, c'est très important pour les enseignants. Donc contribuer et à la fin, contribuer à l'orientation des élèves sportifs. Donc, si on rencontre des élèves qui ont un bon niveau, donc on va essayer de les orienter vers des clubs ou bien, comme aujourd'hui, où les gens ont pas mal de gens qui ont été en train de se faire, ou dernièrement, c'est très important, les élèves qui veulent intégrer enseignement et entraînement, pourquoi pas. Donc, l'enseignant, il est là pour orienter des élèves sportifs. Donc, Ibn Isbel, si Mohamed,
Ça, c'est pour le premier volet, c'est pour la première partie. C'est Mohamed Smani? Donc, c'est passé pour la première partie. La deuxième partie, Inch'Allah, je vais essayer de mettre l'accent sur la pratique ou la théorie. مرحبا استاذ مرحبا Donc, ممكن ندوز للبارتي الثانيه استاذ d'accord. Donc, là, عندي un deuxième diapo. Un deuxième diapo. راكي بس محمد لا ما زال أستاذ هذا بان مزيان أستاذ Voilà. Donc, compétences professionnelles d'enseignement en EPS entre limites, les limites du prescrit et les complexités du factuel. Donc, les chouans, très attentifs parce que je vais essayer d'aborder un sujet qui est très lourd un petit peu, mais essayer de vous concentrer avec moi. Donc, la tâche prescrite. Ou bien ce que nous proposons, ou bien ce que nous planifions, ou bien ce que le curriculum, ou bien les objectifs nous proposent. Généralement, la tâche prescrite, c'est précise les objectifs à atteindre dans des conditions déterminées. Donc, description de fonction, de poste, une procédure, un référentiel de compétences, toujours nous avons un référentiel, des missions, les résultats attendus, ce que nous attendons de nos élèves ou bien de nos apprenants. Et l'exigence professionnelle, c'est-à-dire la qualité, la sécurité, c'est toujours, ce sont des choses qu'on s'accorde qu'ils sont toujours dans un curriculum bien ficelé sur Pnismel EPS, ce sont les OP LENA actuellement. Donc, toujours, il y a des points de repère, des balises et des orientations. C'est très bien. Regardez, s'il vous plaît, je vous mets bien l'image. Elle est représentative à 100%. C'est un iceberg. Et dans cet iceberg, regardez bien la partie visible. C'est la tâche prescrite, ce qu'on nous demande de faire et comment je dois le faire. C'est très bien. Or, dans la tâche réelle, ce que je fais, عندنا une profondeur. عندنا واحد, par rapport à la tâche visible, ou bien peut-être ce que nous avons un grand travail qu'on fait réellement. C'est un travail implicite, caché, il est complexe, imprévisible. Je passe. Chacun de nous, ou bien dans un curriculum, il y a ce qu'on appelle une partition. Qu'est-ce que ça veut dire une partition? La partition, c'est le plus souvent, il y a des notes de la musique, c'est très bien. Elle est bien écrite, bien ficelée, bien composée. Mais comment l'interpréter? C'est ça le problème. C'est comment doit-on interpréter cette partition? Les limites du prescrit. Plus une tâche est complexe, plus elle devient difficile de la traduire en procédure précise. Le prescrit est incomplet. Les procédures ne disent presque rien de spécificités humaines qui font le quotidien du travail. Climat social, style de management ou bien style de gestion, relations entre les collègues, les aléas et les conditions du travail. C'est-à-dire autrement dit,
ما كاينش، ما كنهضروش على لو كليما كي اونتروتنو اونتر لي زونسينيون سوسيال، لو كليما اونتروتنو اونتر لونسينيون اي لا ديريكسيون اي لو لو اي تو لو لونتوراج ستيل دو جيستيون لا ريلاسيون اونتر لي كوليك، واش بعدا مزيانه ولا ماشي مزيانه، لي زاليا كي بوف نو زاريف اي لي كونديسيون دو ترافاي. فين انا فين عايش فين هاد لي اسكو لي دونك لي ديتاي دو ريال نو بوف اتر ني ديكري ني بريفي. Donc, le prescrit est donc bien pauvre vis-à-vis du réel. C'est très important. Donc, ce prescrit, il est pauvre vis-à-vis du réel. Toujours, c'est repenser la compétence. La bibliographie, c'est important de lire. C'est un livre extraordinaire. La tâche réelle, donc déroulée d'une décision, des actions, des interactions d'une personne mais en œuvre pour traiter une situation efficacement, pour réaliser l'activité prescrite, pour répondre à des exigences fixées par les procédures. Tâche réelle, agir avec compétence, si elle mobilise, sélectionne, coordonne une série de ressources, connaissances affectives, sociales et celles reliées à la situation et à ses contraintes. Donc, pour traiter efficacement une situation, la compétence suppose, au-delà du traitement efficace, que cette personne pose d'abord un regard critique sur les résultats de ce traitement qui doit être socialement acceptable. Et Goehle-Butterf parle de la compétence est vue comme un processus et non comme une somme de ressources. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un processus et non comme une somme de ressources. Parce que ce n'est pas une juxtaposition. Il faut savoir intégrer. Ibn Bed, on va parler de un enseignant compétent, et il a des compétences, parce que ce n'est pas la même chose. Quand on dit un enseignant est compétent, c'est-à-dire il peut mobiliser, il peut intégrer, il peut agencer toutes les compétences qu'il peut avoir, savoir, savoir-faire, savoir-être, et j'en passe. Alors que quand on a des compétences, on peut les avoir, mais en juxtaposition. Donc, qu'est-ce qu'on évalue chez l'enseignant? Est-ce que c'est la compétence ou il a des compétences? Ça, c'est une question que je me repose toujours. Donc, l'intelligence au travail, c'est quoi? Consiste à s'appuyer. Regardez là, c'est l'intelligence au travail consiste à s'appuyer sur le prescrit lorsqu'il aide et à l'ignorer ou à le déjouer lorsqu'il empêche de travailler. Parce que des fois, on trouve des contenus dans le curriculum ou les OP qui nous handicapent. Donc, on a Benisbelia. Quand je trouve quelque chose qui m'aide, marhaba biha. Quand je trouve quelque chose, elle ne m'aide pas, je vais l'ignorer et je vais la déjouer. Parce que la compétence, en fin de compte, c'est quoi? C'est ce qui permet de passer du prescrit à la performance, mais en jouant à bon escient avec les règles. Parce que les règles, ils sont là, mais c'est-à-dire, je dois les faire à mon compte. Je dois profiter de ce que se prescrit, ce que je veux travailler. Donc, voilà le résultat. Le travail réel, c'est l'interprétation. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'interprétation? Parce que quand vous interprétez une partition, le violoniste, le saxophoniste, le guitariste, ce n'est pas la même chose. كل واحد كيخرج واحد الموسيقى بشكل. Donc la même chose chez les enseignants. On peut avoir la même partition, mais la manière d'interpréter, elle n'est pas la même. Regardez ici avec moi. Regardez la singularité de l'être, c'est que ce que l'on sait, nos ressources, la manière dont on se représente les choses. Parce que là, c'est très important. Nous sommes différents. Nous voulons, c'est-à-dire le droit d'abord à la différence et le droit à la ressemblance. Peut-être on veut se
On veut cette ressemblance. Parce que la manière dont on se représente les choses et nous-mêmes, le sens que l'on raccorde, nos émotions positives et négatives, nos besoins, nos valeurs. Donc, chaque situation, elle est singulière. Donc, la compétence, en fin de compte, c'est quoi? C'est son style. Chaque individu, chaque enseignant, il a un style. Pourquoi? Parce qu'on va revenir. La manière avec laquelle il pense, il représente les choses, les émotions qu'il a, cette dimension personnelle, cette dimension relationnelle qu'il a. Et c'est très important. C'est pour cela que la tâche prescrite est souvent, il y a un écart, un grand écart entre la tâche prescrite et la tâche réelle. Donc, qu'est-ce que nous cherchons, nous? Nous cherchons à réduire cet écart-là. Comment on va le réduire? Parce que le travail prescrit, ce qu'on nous demande de faire, et ce que je fais. Pour réduire l'écart, on travaille aujourd'hui sur un nouveau concept, c'est celui de l'analyse de la pratique professionnelle. C'est très important. C'est amener à développer une posture réflexive sur l'agir en situation. C'est pour amener les prises de conscience, de noter, agir, rendre explicite l'implicite de l'action. Parce que quand on dit l'action, l'iceberg, nous avons le travail réel, il est implicite, il est compliqué, il est complexe, il est imprévisible et il est singulier. Donc, pour favoriser de comprendre son engagement dans une réflexion sur sa pratique et ses conséquences, non seulement la réussir, qui parfois se réduit à l'application des prescriptions. Oui. Donc, regardez, toujours nous avons le processus de l'évaluation, de l'action plutôt, pardon. Donc, le travail prescrit, ce qu'on me demande de faire. Les résultats de l'action, toujours, visibilité observable. Le travail réel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un processus de représentation qui modélise la situation, processus de mise en œuvre, initiative, adaptation, improvisation, ils sont invisibles, implicites, inconscients. Attendez. Oui, donc, donc, pour ne pas m'attarder, perspective et questionner l'écart. Et je dois toujours questionner cet écart-là. Travail prescrit. Le questionnement, la question que je pose, est-ce que les prescriptions sont irréalistes ou mal pensées? Ou bien le travail réel est un travail, il y a une transgression du prescrit, paresse, indiscipline, désinvolture, ignorance, minimalisme professionnel, mépris des règles pour faire le travail. Donc, ce sont des questions que je dois me poser. Donc, la prise de conscience est-elle un facteur de changement? Non. Il faut que la prise de conscience se répète et s'opère en un temps réel. Oh, oui, je suis encore en train de. Donc, lorsque ce combat se répète, la construction d'un schéma nouveau, donc, si stress, émotion, retour, réaction primitive, donc la transformation d'un habitus. هنا غادي نحكي لكم على واحد الكلمه رائعه ديال فيليب برنوت وفيليب ميريو اصلا جبدها من عند بورديو لابيتوس كيسك سي لابيتوس لابيتوس سو دي روتين كو نو افون كونستروي دوبوي بوكو دو طون سيتادير دون لا 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 ليكسبيريونس بروفيسيونيل افيك لو طون نو افون كونستروي ان لابيتوس وهاد لابيتوس سو سون دي روتين من بعد كان اون بار دي روتين ديفونسيف كو Donc, cette
pour transformer l'habitus de la personne, c'est un travail de longue haleine qui demande du temps et un soutien externe. Et pour changer, pour transformer les routines de l'enseignant, il nous faut du temps parce que c'est un habitus qui s'est installé. Ou un habitus qui met Philippe Bernoud, il parle des routines défensives. Et ces routines défensives, ce sont Sean ou bien agiresse, de agir, savoir agir. Il parle que ces routines défensives, ce sont des routines, malheureusement, ils sont validées et défendues par l'organisation. C'est-à-dire l'organisation, le système. Des fois, quand tu as un collègue, tu veux innover, donc, précaution. La prise de conscience passe par un travail sur soi. Mais malheureusement, ça peut réveiller un passé douloureux. Prendre conscience de ce qu'on a fait, se regarder dans le miroir, ne va pas de soi, parce que ce n'est pas aussi évident. Et Namelbet, la mise à jour d'attitude peu avouable, on regarde ce qu'on a et on voudrait être. Allez, radio, pas les mouches. Pardon? Oui, je passe à. Donc, travailler sur son habitus n'est pas confortable. Donc, c'est d'accepter. Lorsqu'on travaille sur son habitus, ce n'est pas toujours confortable, mais c'est d'accepter d'être confronté à la part de soi qu'on connaît le moins et qu'on aime guère lorsqu'elle émerge. Donc, c'est très important, le jeu de mots qu'il est là. Travailler sur son habitus n'est pas confortable, c'est le fait d'accepter d'être confronté à la part de soi et qu'on connaît le moins et qu'on aime guère lorsque il émerge. Donc, qui pourrait assumer ce risque? Il n'est pas thématisé, encouragé, montré. Il se sent seul avec sa lucidité, comme un imbécile dans un monde où chacun affiche ses certitudes. C'est-à-dire, pour assumer de la transformation, il faut tout le monde doit se chercher. Parce que la transformation, dit l'habitus, elle demande une socialisation. Il faut innover parce que, quand on veut innover, généralement, toujours nous avons un problème de deux forces, une force de transformation et une force déjà établie. Donc, la force de transformation ou la force d'établir qui est un dilemme, une confrontation. Donc, on doit socialiser, on doit approprier le contenu. Donc, assumer une identité réflexive qui questionne la pratique et le groupe, qui met en question les routines, l'ordre établi, qui invite à assumer ses responsabilités, concevoir des stratégies alternatives, s'engager dans des changements qui favorisent les remises en question, les confrontations, l'idée qui peut engendrer un agacement, rejet, ironie et controverse. Et enfin, je vais terminer par... Et si le manager en général ou bien l'enseignant devenait un jardinier qui cultive le vivant et pas uniquement le fruit et ses résultats, un manager jardinier qui accompagne la croissance de ses hommes et de ses équipes pour construire de la performance durable, pas uniquement du résultat immédiat, parce que nous cherchons à construire l'individu. Et d'ailleurs, Rousseau disait, la citation extraordinaire, disait: vivre est le métier que je lui veux enseigner en sortant de mes mains. Il ne sera, j'en conviens, ni médecin, ni précepteur. Je veux qu'il soit un homme. Et merci. Chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Merci, c'est Mohamed. Je suis la bibliographie de ce travail. Donc, je remercie Mohamed.
Donc, c'est tout pour l'instant. السيد الكريم سيد المجيد جزاك الله خير ونفتحوا النقاش بمداخلات وأسئلة السادة الأساسيين لإغناء النقاش. إخوان السادة الأساسيين اللي عنده شي مداخلة ولا شي سؤال يرفع اليد ديالو وتكون مداخلة مختصرة الله يجزيكم بخير حدود دقيقة ودقيقة ونصف. مرحبا بالجميع، نتمنى السادة الأساتذة اللي عنده شي سؤال أو مداخلة يرفع اليد ديالو نعطيه لاكسي. السيد المفتش السي عبد العزيز بولعقول فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أحيي باس ماروك على هذه المبادرة العجيبة والمبادرة الطيبة والغنية. أيضا أحيي السيد المحاضر بن قاضي عبد المجيد على هذه المحاضرة القيمة. يعني أنا ما يسمح لي أنا ما حضرش من الأول ولكن استطعت أنني نوصل ونأخذ فكرة الرئيسية إلى حوت هذا. أفكار صراحة اللي هي مختصرة رائعة. وأنا يعني بغيت غير نغني النقاش ونقول سي من قادة لو أننا نديروا إسقاط ديال هذا الموضوع لا لا براتيك بيداغوجيك دي زونسيون دو بي إس pour donner du lien entre le thème là qui est général d'ordre général avec notre métier qui est celle de professeur de PS. انا كنقول كما قال السيق هذا بانه la compétence كما قال بان c'est un savoir agir وراه شرحوها الاخوان شرحوها الاخوان اللي ترجموا هذا لا كومبيتونس كيقول لك حسن التصرف يعني حسن التصرف وانه غدا الواحد نوع من الحكمه يعني انك في لو طون تي في لو ليو تيل يعني كومون تي فا رياجير فاس او زاليا فاس او بروبليم اللي كيت الاستاذ. إذن حنا في التكوين ديالنا قبل ما يخرج هذا التام ديال لي كومبيتونس اي تو سا كنا كنقولوا بانه لو ميور فون سي سولي كي سادابت تو لو طون كي ادابت سي بيداغوجي كي ادابت سي مانيير دو فوار سي مانيير دو يعني و لو بروبليم في هاد لادابتاسيون في هاد كومبيتونس سي كي ني با ترانسميسيب يعني ما تي بو با لا ديداكتيزي يعني comme si on dit didactiser le PS alors qu'en fait on didactise les APS. Le PS ça reste واحد وترجموها المونديرون ديال la pédagogie بان la pédagogie c'est un art qui ne sont simples. On peut se mettre d'accord sur le plan didactique peut-être sur certaines séquences وكلنا نتفقوا ولكن منين كندخلوا للقسم كنلقاو ريوسنا اننا كل واحد كيستعمل une pédagogie pour réussir ses séquences didactiques. دونك كما قال السي قاده يعني نقدروا كنا نتعلموا سولفيج ولكن بو جون سوغون دي زارتيست دي فريز ارتيست يعني كلنا كنتعلموا سولفيج كلنا كنتعلموا لي زابي سي ديال المهنه ولكن بو جون سوغون دي زارتيست دي فريز ارتيست. بالنسبه للمساله ديال لا براتيك ريفليكسيف يعني ما كسا براتيك كوم اوبجي دو ريفليكسيون يعني صراحة كما قال السي القادة أنه لي غري دو ليكسيور بيرسونيل ولي غري دو ليكسيور
كوليكتيف اللي نقدروا نستعملوهم باش نطوروا لا براتيك ديالنا خاصهم حتى هما واحد الاطار مرجعي. يعني سي با فاسيل دو روبونسي سا بروبر براتيك بيداغوجيك. لو نقول لواحد الاستاذ مثلا عاود لنا يعني انت شنو يعني تقريبا هذا هو السؤال حنا اللي كنبداو به كمفتشين شنو بان لك استاذ انت بنفسك يعني في الحصه ديالك وكنشوف واش اسكيلي كونسيون دو سا بروبر براتيك او نو اسكيل اريف ارغيمونتي سي براتيك اي اسكيل اريف ا جوستيفي سي بروسيدي سي هذه سي شوا c'est choix pédagogique. C'est comme ça qu'on va développer notre métier. C'est comme ça qu'on va développer notre métier. Et là, je l'ai dit, ou réellement, quand tu as dit que le monde d'Iran, que ce soit le cadre, que ce soit les formateurs, que ce soit les inspecteurs, que ce soit. Il y a tous des recettes. Il y a tous des recettes. Il y a tous des principes de travail. Tu as dit que tu as dit que la formation, comment planifier. Il y a tous des principes de planification. Comment gérer le temps, comment gérer l'espace, comment gérer les groupes, comment gérer les consignes, comment gérer les feedbacks. Dini. Et ce sont les comment gérer. Mais le fait qu'il fait une certaine zéla, c'est ce qu'il faut dire. C'est ce que Philippe Mérieux est là, la pédagogie de l'occasion. La pédagogie de l'occasion. Et on a tout le monde, tout le temps, une pédagogie d'hier. Ça veut dire la pédagogie qui est avec le qism, tu ne peux pas avec le qism l'autre. تقدر ما تصلحش لك غير او سان دي غروب او سان دو لا ميم كلاس سا فو دير كو تي شونج تا بروب بيداغوجي اون فونكسيون دي زالي اون فونكسيون دي رياكسيون دي زيلاف دابا انت جاي مثلا كتقول اليوم غادي نعتمد على مثلا سيتياسيون بروبليم وكدير واحد سيتياسيون بروبليم ولكن كتبان لك لي رياكسيون ديال الزلف ما عطاتكش مزيان ما تجاوباتش ربما كتقلب على دي زيكزارسيس ربما كتقلب على دي حوايج اخرين ربما لهذا انا كنقول للاخوان كنقول لهم ni que tu mets la pédagogie de modèle, la pédagogie différenciée, la pédagogie, alors mais ça ne veut pas dire que je vais rentrer dans le monde, je vais faire la pédagogie différenciée. Je vais faire la pédagogie de modèle. Alors que tu mets la pédagogie tout le temps, les actions que tu mets, alors que tu mets le modèle, alors que tu mets le CFR, AGS et erreur, alors que tu mets les situations problèmes, alors que tu mets des exercices à base de répétition, alors que tu mets la méthode globale, des matchs dirigés, les méthodes analytiques, des séquences comme ça, à chaque fois tu remets en question. Donc, une même leçon peut renfermer plusieurs pédagogies. Le professeur il est en train de varier, d'adapter, l'aménagement du milieu, la pédagogie de l'aménagement du milieu, la pédagogie la pédagogie est basée sur le feedback, la pédagogie est basée sur la verbalisation. Être conscient de son propre travail. Et lorsqu'on demande à un élève de verbaliser ses actions, et de se mettre par le ministère, verbalise, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit qu'elle a fait la pratique, ou il faut faire la performance d'elle. Ou il est stade à verbaliser. Elle a dit qu'elle a fait la passe, la passe à 10. Elle a fait le groupe. Elle a fait le groupe. Elle a fait le groupe. ملي كيبداو يتكلموا وكيبداو هذاك الفيدباك هنا كتبدا تبان لك بان راه ils sont en train de conscientiser leur travail ils sont en train بحال دابا de prioriser ou de trouver les clés ديال le désordre اللي كان عندهم ولا الشك اللي عندهم بالتالي كيوليو يتفقوا دابا هاد الخطره on va في الاسباس هاد الخطره au lieu d'appeler هذا ما نقدرش نستعمل الصوت نستعمل الحركه ولا الاماكن الفارغه وبهالطريقة الأستاذ اللي كيدير في هذا الفايبيا ما بينه وما بين التلاميذ اللي يسي دو فيرباليزي يسي دو ميتر لو طرافاي كونسيون اللي يسي دو ماشي كيعطيهم لا كلي يعني تتفات انما كيخليهم هما يجبدوا لا كلي هذه حتى هي راه داخله في ان براتيك ريفليكسيف ما كاينش غير ديال لو بروف كاين حتى ديال لي زيلاف اون لينيسي ا ترافاي سو سا بروبر براتيك و سا بروبر بيرفورمانس ونتوقف هنا باش ما نطولش ونحترم السي الانصاري اللي قال لك ما تفوتوش دقيقه ونص واسمحوا لي السلام عليكم سي محمد ندير شي دخل السلام عليكم استاذ سمح لي اعتذر دي مشكل في الانترنت واه تقطع البث كامل صافي على الجميع ولا لا غير لي انا وما سمعتش الاستاذ وما سمعتش غير الهضره اللي دارت اللي كانت معليش ماشي مشكل انا سمعت ماشي مشكل مرحبا استاذ ممكن تجاوب استاذ
اولا صراحه كنشكر السي عبد العزيز اللي صراحه مداخله قيمه، واخا يعني ما جاش في الوقت كما قال، ولكن صراحه من خلال المداخله ديالو راه فهم المداخله اللي قدمناها. فعلا يعني هذه المساله ديال لا براتيك ريفليكسيبل اللي انا دائما كنأكد عليها وانا خدمت عليها بزاف، والحمد لله ان شاء الله بحول الله تنحاول نخدم على لاناليز دي براتيك بروفيسيونيل لي سي ماتيماتيك دو لو بروجي دوكتورال الى كتب الله. اللي صراحه حنا عندنا مشكل ديال نو زافون ان بوتي بروبليم دو لا فيرباليزاسيون سي ميتر اون مو، لان عندنا بالعكس كما قال السي عبد العزيز نو زافون دي زونسيون في كثير من الاحيان سو سون دي فري كومبيتون زون ان سافوار faire extraordinaire, ولكن ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais يعني au niveau lorsqu'on lui dit يعني ملي تنهضر كنقولوا له قول لنا شنو كيقول لك je sais ce que je fais mais je ne sais dire comment j'ai fait. هذا الاشكال اللي كيطرح لنا انه خدام هو راه ما عندوش مشكل، ولكن la manière de verbaliser. وهذا فيرميتش كيشتغل على ce qu'on appelle l'entretien d'explicitation. Parce que des fois, c'est Abdelaziz, des fois, l'enseignant, il est très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Alors que nous ne cherchons pas ça, son entretien d'explicitation, nous cherchons ce qui est caché, c'est ce qu'on appelle, Vermich, il parle du pré-réfléchi. Mais chez tel inconscient, ou chez le préconscient, ou chez l'inconscient, c'est le pré-réfléchi. C'est-à-dire, dès que l'imam, on ne peut pas le dire, il a qadrna, ce qu'on appelle cette évocation. C'est-à-dire, si on peut, c'est-à-dire arriver à ce que l'enseignant peut évoquer, parce que c'est que la compétence, on ne peut pas l'évaluer. Parce que la compétence en général, c'est quoi? Ce sont des perceptions, des sensations. C'est pas du concret, parce que même que l'extérieur évalué. Mais il a aussi la conscientisation. Il a aussi l'oustade. يبوح ويقدر يقول لنا كيل سون سي ديفيكولتي سي اوبستاكل سي بروبليم ديجا رحنا وصلنا لواحد الاخر ا سو مومون لا كونت اون فو فورماليزي كونت اون فو تيوريزي لان علاش شنو كيوقع لنا في لا براتيك نو زافون ان سافوار براتيك سكو نابيل لي سافوار اوفراجي بالنسبه اللي كنقريو في المراكز او كيتسمى لي سافوار بروفيسي الوغ كو اللي كيكون في لا براتيك سي ان سافوار اوفراجي سي اون ساجيس دو لا براتيك كون ابري سور لو تا الوغ سي اون نا با سيت كومبيتونس دو فيرباليزي دو فورماليزي دو كوديفيي كتبقى سي اون بيرت غير كيمشي داك السيد كتمشي مع هذيك ليكسبيريونس باسكو il ne sait pas accompagner ما تيعرفش يقدمها للاخر اون تيوريزون تيقول له شوف شنو كندير مي دي فوا انا راه كنشوف كاش كدير دي فوا كاين دي شوز انترن امبليسيت اللي خصنا يبان مع الاسف حنا سي سا سو كنو شيرشون في هاد لاناليز دو براتيك بروفيسيونيل ونو ترافايون سور سا باش ان شاء الله بور بروفيسيوناليزي لو ميتي دونسينيون. كذلك شي سؤال اعتقد شي اخت بغات كتسول على لا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون. La zone proximale de développement, c'est la distance qui sépare. C'est le décalage optimal. L'origine, c'est Vygotsky. C'est une zone proximale. C'est quoi? C'est lorsque on, le passage, l'apprentissage, un enfant ou un apprenant, il apprend tout seul ou bien il apprend en compagnie. Elle dit que la distance, c'est ce qu'on. Parce que quand il apprend tout seul, il n'a pas besoin d'un enseignant. Mais des contenus sont difficiles qu'il doit apprendre avec un enseignant ou bien avec un adulte. Pourquoi dire adulte? Parce que l'apprentissage en général. Donc, elle dit que la distance, c'est la zone proximale. Parce qu'on a la situation très difficile, elle va l'inhiber, le frustrer, ou mettre couche facile. Flouest. Donc, il y a un passage, il y a un échafaudage. باش غادي نوصل لا سكون نابيل لا زون بيان ماشي نوصل لوتو فورماسيون
l'auto-formation, je dois passer par la zone proximale de développement. Mais non seul, ce qu'on appelle dernièrement, on parle d'une nouvelle appellation, il y a l'apprenance, c'est-à-dire le passage de la formation à l'apprenance à vie. C'est-à-dire, ce talem de brasso, il peut apprendre beaucoup de moyens. شكرا سي محمد إذا كان شيء زاد خونا شكرا أخر. شكرا أستاذ الكريم مرحبا سي بولعقول مرحبا ولا سي أنصاري اسمح لي مرحبا أستاذ انا 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 الى ما كانوش الاخوان كيدخلوا انا يعني جو با ليسي لو طون كوم سا يعني مرحبا سي قادة صراحة أعطانا واحد الشهية الكلام وشهية التدخلات صراحة باش واحد مسألة سي قادة باش قريت واحد لاتيز ديال واحد لو فرونسي اللي دارته هو اون ريشيرش على هاد لي براتيك اونسينيونت لو تيرا ومشى عند مشى خشى واحد العينة ديال لي بروفيسور واحد كيدير ليسكالاد واحد الفولي واحد كذا ودار لهم دي ميكرو حدا 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 التوني ديالهم وكيسمعوا شنو كيقولوا لي زلام يعني كيسمعوا شنو كيقولوا لي زلام بلا مثلا واش كيعتمدوا على دي ريفيرونس سبورتيف كيعتمدوا على ان موديل كيلكو بار كي شنو واش داك لو موديل اللي فيرتويال فلو ولا واضح ولا دونك سكي في هو اترافير من دوك لي كونسين اللي كيعطيو الاستاذ بغى يخرجوا لي ريفيرونس سور ليكيل سو باز ان بروفيسور لوسكيل انسان que ce soit l'escalade, que ce soit le volleyball, est-ce qu'il roule bien? Mon chien est là, il peut la pratique enseignant, ils peuvent catégoriser, la pratique enseignant des enseignants. Au hadi, de la pratique vers la théorie. Au hadi, derrière, Aidan Fleischmann, les attitudes, nous. وانه ما انطلقش من لا تيوري لا براتيك وانه مشى لا براتيك وبقى كيسول لي زونترينور مثلا انتم في الباسكت علاش كتعتمدوا بالضبط انتم في التيرا لارك علاش كتعتمدوا انتم في التنس علاش كتعتمدوا كي ريبارتوري لي كاليتي فيزيك سو لي كيل سو باز هادو من بعد خرج واحد تقريبا واحد 40 كاليتي فيزيك ابتيتود ولا ريبارتوري وصنفها لانه il était un théoricien. Le théoricien, c'est quoi en fait le travail de le théoricien? C'est rendre intelligible le travail qui est même chaotique بالنسبه للبروفيسور. Exactement, c'est Lazis. La texte. C'est rendre intelligible ou rendre raisonnable. يعني بحال دابا مثلا لما كنقولوا الاستاذ علاش كتليق لك علاش دابا الاستاذ ملي كيكون خدام كيجي شي واحد اللي ما كيفهمش ليدوكاسيون فيزيك كيبان لك الفوضى كلشي تيجري ولكن بالنسبه للاستاذ راه كلشي منظم. Exactement. عنده واحد لوغ عنده واحد لوغ دون لو ديزوردر اللي كيبان لو ديزوردر ابارون كاين ان اوردر امبليسيت لداخل وكيفهموا الاستاذ كيفهموا الاستاذ دونك سكي في حنا الغرض ديالنا من هاد لا براتيك ريفليكسيف هو نرفعوا من انه ديما كنعطي هذا المثال للاخوان ديالنا وكنقول لهم كاين الاستاذ اللي شاعل بوله ديال 60 واط على القسم ديالو وكاين اللي شاعل 100 واط وكاين اللي شاعل بروجيكتور تبارك الله اللي شاعل بروجيكتور يقدر يفسر الظواهر اللي كطري في لاكلاس بليزيور فاسون يفسرها لك بلا بسيكولوجي يفسرها بلا اناتومي يفسرها بفيزيولوجي يفسرها بديناميك دو جروب ما يتقلقش على سيرتان رياكسيون اللي شاعل على 60 واط تيبان لي بعض الظواهر ما 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 قادرش يفسرها بعض المرات كتبان لي ايلوجيك علاش انا قلت لهم داروا في هذا السونس مشاو داروا ليا في السونس الاخر الوغ كو لا بسيكولوجي دو لادوليسيون كتقول بان اني اون تران دو سافيرمي اون تران دونك سكي في لا ريفليكسيف الا كتعاود تشد هذوك لي سيونس لي سيونس هيومان اللي هما اصلا دي سيونس ديسبارات فهمتيني وماشي ديسبارات يعني كلوازوني ما كاينش دي سيونس ما كاينش اون سيونس دو ليديكاسيون كاين لي سيونس دو ليديكاسيون اكزاكتومون اون سيونس دو ليديكاسيون كاين دي سيونس دو ليديكاسيون دونك سكي داك الشيء اللي قرينا حنا في لا بسيكولوجي د لادوليسون بسيكولوجي د لونفون اللي قرينا في الاناتومي قرينا في لا موتيفاسيون لي ريبريزونطاسيون داك الشيء الا ما درتيش ان براتيك ريفليكسيف وحاولتي تفسر دوك الظواهر اللي كطرا عندك في القسم اترافير هاد لي سيونس غيبقاو هاد لي سيونس ديما غير درناهم للامتحان فقط وكيبقى داك لومبيريزم وكيبقى واحد لانكاباسيتي دارغيومونتي دي جيستيفي سي براتيك سي شوا الوغ كو كيما قلتي راهم ناجحين بعض المرات هما راه ناجحين ناجح في الاستاذ في العمل ديالو ولكن ما كنلقاش لي زوتي
théorique pour expliquer avec les pratiques ou les réponses avec l'action des élèves. Voilà, et je vous remercie. لا مرحبا بالعكس السي عبد العزيز اللي صراحه انت غنيت النقاش لان المساله اللي عندنا هو باش نزيد اكثر ان في لو سافوار براتيك سي ان سافوار تري تري ريش الى اون غروند ريشيس سي تو سبيسياليست دو ديجاجي لان بعض المرات il y a des enseignants اللي فوت دو طون فوت دو نيفو فوت ما قراش بزاف المستوى ديالو ما باغيش يقرا ما فهمش الدراسه سي تادير il est incapable de verbaliser de nommer l'intention et de formaliser donc c'est au spécialiste à travers des études à travers de théoriser tout ce qui se passe راه هذا هو اللي هضرت عليه ان في لو savoir pratique il y a une il y a une singularité, il y a une imprévisibilité ou كاين واحد دونك الاخوان كاملين خص نشتغلوا عليهم على انه يخص هاد لا تيوريزاسيون علاه باسكو il y a une singularité et le savoir pratique il est changeable il est en mutation permanente ce qui fait donc le contexte ديال لا براتيك الى شونجي دونك اون دوا شونجي راه غير واحد ربما كنت هضرت مع السي عبد العزيز في السياق ديال مثلا في لو بريسكري في لو كوريكولوم اللي عندنا في الزوبي مثلا ما مازال ما تكلمش على لي ريسورس نوميريك دابا الان جو سوي سيغ سيغتان كون دوا بارلي دو دون اوتر مانيير لي كونتوني كاين ان كونتوني نوميريك كاين ايفاليوسيون نوميريك كاين اي بوكو دو شوز اللي باقي مثلا الكوريكولوم او لو زوبي مازال ما تحدثوش عليهم دونك الفو خص اون اكتواليزاسيون اون ميز اجور لان اليوم كاينين دونك شكرا سي عبد الله يحفظك ميرسي بيان سي تري جونتي شكرا الاستاذ الكريم ونعطيو الكلمه للسيد المفتش سي مصطفى الشهب شكرا سي محمد شكرا للحضور الكرام وشكرا سي القاضي عبد المجيد على المداخله الرائعه والشامله صراحه اللي انا بعيد ديجا في الحسيمه ماشي في الدار واليوم كنت في الكروس لا جورني كامله ومالغري صح حضرت لهذا اللقاء هذا والحمد لله ما ندمش لا ريشيس ديال هذا الانترفونسيون ديال سي القاضي اللي تنشكرو بزاف سانسيرمون سي انترفونسيون تري اكزوستيف انا بالنسبه لي اون تيكوتون سي عبد المجيد عطيتيني 4 ans او 6 ans ديتود اللي قرينا تقريبا عجبتي لي فهاد الانترفونسيون كامله ديالك والله فهاد 4 ans او 6 ans سي تادير كو اون انترفونسيون تري ريش اللي فيها كلشي فيها وكتبين بان لو ميتي دان انسيون دي ديكوراسيون فيزيك سي اون ميتي سي ميتي ديفيسيل سي ميتي كومبلكس c'est un métier qui doit être tout le temps renouvelé, actualisé et amélioré. Bah, je m'approche avec le standard d'un enseignant ou là des routines professionnelles. C'est-à-dire l'enseignant, c'est-à-dire des routines qui se répètent tout le temps, chaque jour, chaque semaine, chaque cycle, chaque année. Ou là les routines professionnelles et salutibiums. Sont des routines qui géomènent le profil de l'enseignant, son vécu en tant qu'étudiant, son vécu en tant que le cycle de formation initiale et son vécu et son expérience dans le groupe pédagogique. La routine professionnelle est qui donne l'identité d'un enseignant par rapport à un autre et qui peut être expliquée par plusieurs facteurs. رجال الانترفونسيون الاولى اللي قلت لك كي تي تري اكزوستيف شفنا فيها لو بي اس دو ا ا زد صراحه بالنسبه لي انا كان ان بروبليم يعني كان كاين ان ديكالاج اونتر لو كونسيبتيوال كو زافي افونسي سي عبد المجيد اي لا براتيك سيتادير اون افي بيزوان دو بلوس ديكزامبل براتيك دو كلكو كونسيبت كلي باسكو Il ne suffit pas d'avancer des définitions et des mots-clés sans descendre le terrain. Il faut nous donner des exemples pratiques, des choses pour être très explicite. Les hadith, les sarahatan adawa, qui manquent dans le domaine de l'éducation physique, beaucoup de concepts qui sont partagés avec d'autres matières, mais pour les donner des exemples pratiques, on trouve des difficultés. Et là, l'enseignant fait la pratique. Enseignant dialogue la pratique profession qui a un problème
de transformer le théorique ou de pratiquer la théorie, soi-disant. On pratique la théorie. D'accord. Donc, sincèrement, pour moi, un enseignant efficace, c'est quoi? Il doit répondre à trois choses ou doit faire trois choses. Il doit toujours déléguer les rôles. Le problème est que je constate que l'enseignant essaie de faire tout. Et dans une leçon, l'enseignant toujours monopolise l'acte éducatif. Il essaie toujours de faire toutes les tâches. Non, l'enseignant efficace, c'est un enseignant qui doit déléguer et responsabiliser ses élèves. Il doit superviser, il doit contrôler. C'est-à-dire, il doit donner d'autres rôles sociaux, par exemple, à ses élèves, en tant qu'exécuteur, en tant qu'observateur, en tant qu'organisateur, en tant qu'évaluateur. C'est ça, la mission d'un enseignant efficace. Il doit donner l'occasion à ses élèves d'apprendre par eux-mêmes, en groupe ou par des pairs ou individuellement. Et l'enseignant efficace, c'est un enseignant qui joue sur les variables didactiques. Si on ne joue pas sur, comme vous avez dit, l'enseignant doit toujours adapter les situations proposées, on adapte comment? On adapte en jouant sur des variables didactiques qui sont, tout le monde les connaît, sont les clés de l'apprentissage. Ces variables didactiques qui sont soit l'effectif, soit l'espace, soit les consignes d'organisation, soit les consignes de réalisation. Ces variables, plus on agit sur ces variables, plus on donne la possibilité à nos élèves d'apprendre et de progresser. Et la troisième chose, c'est qu'ils doivent toujours se demander qu'est-ce que mes élèves ont appris. Cette question doit être en permanence avec l'enseignant. Si l'enseignant se demande toujours cette question fondamentale, il doit sans doute améliorer sa routine professionnelle. Et donc, je termine par l'intervention sur le décalage optimal ou la zone délicieuse, décalage optimal de l'indale. Je donne un exemple pratique. Dans une situation de handball, dans un espace déterminé, réduit, on doit progresser soit à 4 contre 2 pour aller tirer dans la cible adverse, soit à 4 contre 3, soit à 4 contre 4. D'accord, c'est la même situation. J'ai joué sur l'effectif, mais l'espace est le même et le but, c'est le même. Là, le décalage optimal dans la situation de 4 contre 2 n'est pas le même dans 4 contre 3 et n'est pas le même dans 4 contre 4. Plus j'ai ajouté de défenseurs, plus le décalage optimal est plus difficile, le problème est plus difficile. Donc, est-ce que ces élèves qui vont attaquer, ils ont les possibilités de réussir à deux, contre deux, ou ils ont les possibilités de réussir contre trois, ou ils ont les possibilités de réussir contre quatre? Là, c'est dans une situation problème, et là, il y a un décalage optimal entre le réel, ce que les élèves possèdent, et entre leurs possibilités et entre les exigences de la tâche ou de la situation. Et merci, Seb Lougid, encore une fois, pour votre intervention qui m'a beaucoup impressionné, soi-disant impressionné. Je peux? Oui, monsieur. Oui, c'est Mustafa Chab, merci beaucoup, merci pour vos impressions, Sarahatan, je suis très ému. Sarahatan, nous avons essayé de. C'est vrai que la contrainte du temps, la contrainte de beaucoup. Nous avons essayé de proposer, de flasher, flasher un petit peu le contenu. C'est vrai que j'étais à court d'exemples, mais je suis ma fait beaucoup d'exemples. J'étais toujours obsédé par la première intervention, la deuxième, l'écart qui existe entre la tâche réelle et la tâche prescrite. Donc, la zone proximale de développement, ou l'éducation physique, décalage optimal,
المنطقة المجاورة للتعلم أو زون بروكسيمال ديفلوبمون دو فيغوتسكي. وشكرا سي مصطفى بزاف، بارك الله فيك. سي محمد لشي مداخلة أخرى. شكرا الأستاذ الكريم، شكرا الأستاذ الكريم. نعطيو الكلمة للأستاذ جرمية. سيد السلام عليكم. ورحمه الله. شكرا جزيلا للبوابة على المواد اللي كتقترح. فعلا كاين استفاده اكثر ومواضيع في الحقيقه اللي يعني كثير الانتباه وكثير التفاعل. هذا الموضوع في الحقيقه كما قال سي بوالعقول ما حضرتش ليه انا من الاول، حضرت لا دوزيام بارتي وبغيت نتفاعل في شي نقاط مع الاستاذ الكريم. و يعني انك تشد ان اوديتوار ديال واحد 70 استاذ ولا 80 استاذ راه ماشي شي حاجه سهله، شي حاجه اللي غريبه في نورمالمون في المغرب اننا كنناقشوا سور لو بي اس، لان كنفتقدوا للنقاشات في سميتو في لو دومين ديال ليدوكاسيون فيزيك، لان لو سافوار كاين بارتو يونيفرسال، كاين في كل شيء. شنو اللي ما كاينش عندنا حنا هو لو ديبا، هو لو ديبا اون رابور افيك ليدوكاسيون فيزيك. كاين قليل وكاين ريشيرش قلال، وفين ما كنبغيو نسيتيو حنا كنمشيو لا ريفيرونس، كنمشيو لا ريفيرونس فرونسيز ولا لا ريفيرونس ديال الدول الغربيه اللي عندها باع وعندها تاريخ وعندها هيستوريك في هذا المجال. انا بغيت غير نتفاعل مع الاستاذ الكريم على لي براتيك بروفيسيونيل ديال الاساتذه. نورمالمون الاستاذ داخل في ان ديلام، أستاذ ديال التربية بدل في المغرب داخل في أنديلام أون رابور مع لو بريسكري مع لو ريال. لو بريسكري عندنا حنا هما هو البرنامج الوطني للتدريس، هما لي نوب كيمشي كيقرا مثلا كيلقى التدريس بالكفايات. شنو هما التدريس بالكفايات؟ سور لو بلون تيوريك يقدر يجاوبك، يقول لك شنو هي الكفايه وشنو ممكن ندير وشنو شنو المطلوب مني، ولكن ني سو لو بلون براتيك فاش كتمشي كتشوف تقريبا كلنا ماشي يعني الاساتذه كاملين كتلقاه خدام باوتر شوز كو لي كومبيتونس. كتلقاه داير لاطاش موتريس ديال الفاموز اللي سبع سنين وكيشتغل عليها وما عطاتناش حلول، كتلقاه غادي في الاتجاه ديال التكنيك سبورتيف وكي يقول لك انا جو مي اون اوفر اون سيونس دونترينمون ماشي اون سيونس دو بي اس. وهنا كيبداو الانجذابات من هنا ومن لهيه، واش لا سيونس دو بي اس سي اون سيونس دونترينمون، واش اون فاس ديال اون بوبولاسيون لي سبورتيف لي باغيين نمشيو فيها في الاتجاه ديال لا سبورتيفيزاسيون دو لو بي اس. وكاين ان كورون دابا اللي غادي في هذا الاتجاه هذا سورتو في المغرب اللي مازال كيرجع للستينات والسبعينات، لي كورون لي باراديغم اللي كانوا كيتحكموا في لو بي اس. وبالتالي كاين بزاف ديال المتاهات في هذه المساله. الاساتذه عاوتاني كما شرتي لها الاستاذ الكريم فواحد لا سيكونس عندك في الانترفونسيون، هو انه الاستاذ ديال لو بي اس عايش واحد بحال بغيت تقول انديلام. هو كيصحاب راسو راه هو ان كور سافون، سي با ان اسبري سافون، كيقول لك انا هو لو ماتر، انا هو اللي كنمتلك لا تكنيك، انا هو لو كور اللي غيدير لنا لو جيست، ماشي لاسبري اللي كيتفاعل مع لي براتيك بروفيسيونيل ديالو اللي كيحاول يطورهم. لا كيقول لك انا لو كور سافون، انا هو اللي عندي لا ميتريز ديال لو جاست، انا هو اللي خصني نوري. انا ماشي كينتج المعرفه، ماشي كينتج وضعيات اللي ممكن يسهل على المتعلم دوك لي سافوار ولا لي كومبيتونس ولا لي كوندويت موتريس. المهم عندهم بزاف ديال التسميات.
هنا كتستحضرني واحد لوفراج ديال واحد ماري فرانس كارني مع اندري تيغاس اللي داروا واحد لوفراج وين مو باغي ان بو شويه بيرتينون في هذه المساله هذه ديال لي براتيك بروفيسيونيل. داروا واحد لا كلينيك سيكاناليست على لي زونسيون دو بي اس اون رابور ديالهم مع لا ديداكتيك ديال لو بي اس ولا بيداغوجي ديالهم ولي زانترفونسيون بيداغوجيك ديالهم في الاقسام ديالهم اون فاس ديال لي زاليف ديالهم. لقاو واحد لا ماجوريتي ديال لي زونسيون كتلقى فوكاليزا سور لوي ميم, كتلقى فوكاليزا سور ليكسبيريونس ديالو هو, كتلقى فوكاليزا سور سكيل سيفير, ماشي il se focalise davantage ce qu'il doit faire apprendre à ses élèves. هنا فين كاين المشكل, هنا فين 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 حنايا تايهين في هاد لو بي اس في المغرب. واش غانونسينيو لي تكنيك سبورتيف؟ واش غانونسينيو لي كومبيتونس؟ واش غانونسينيو لي كونديويت موتيس؟ واش غانونسينيو لي كومبورتمون موتور؟ دونك كتبقى بزاف ديال الاسئله مطروحه. لا كومبيتونس اون جينيرال كيما معرفه باش نديفلوبي عند التلميذ راه حتى هي معرفه انها ديفلوبا عند لونسينيون. لونسينيون ماشي هو داك لونسينيون اللي كيعرض il récite ce qu'il veut faire ou apprendre à ses élèves. Non, l'enseignant كيما قال سي مصطفى الشهاب هو سماه enseignant efficace, انا ربما نسميه ان enseignant authentique ou la pertinent, celui qui gère l'incertain, celui qui gère l'imprévu في la séance ou في la leçon ديالو. لان اندري دافيد ادي كيقول لك ودي لا لوسون سي با بروغريسيف لا لوسون, ماشي لا لوسون الدرس راه ماشي هو غادي اونشيني وحده تابعه وحده ولا سي سي سي, سي ديناميك. راه كتلقى لا لوسون فيها بحال اون كورب سينيزويدال طالعه هابطه, يعني كتلقى ان سيكونس كيتفاعلوا معاك الدراري وغاديين معاك وانتيا كتجار داك الشيء كامل دوك لي زامبريفي اللي كاين, وكاين دوطر سيكونس اللي tu voudrais maintenir l'ordre focalisé ou des leçons qui nous ont impeccables ou des leçons fait à des va-et-vient à des allers-retours smith ou fait le dialogue avec le groupe classe ou petit l'enseignant qui gère de l'imprévu ou l'incertain smith ou la classe dialogue ou fait le tawassul avec التلاميذ داك هو لونسينيون بيرتينون اوتونتيك بالنسبة لي أنا. وشكرا بزاف وسمح لي طولت, بارك الله فيك. محمد؟ وي أستاذ. وي اسمع لك الكلمة. وكنشكر السي جرمية على التدخل ديالو اللي صراحة كنحيوه اللي عنده هذا السوسي وهذا الهم نتاع الأستاذ. باش pour réconforter ces amis. Dernièrement, في مراكز وفي على الصعيد الوطني كنشتغلوا ديرنا على بروفيسيونيل. C'est un module اللي جديد ديجا دابا في المراكز. دابا شنو؟ vous avez parlé de gérer l'imprévu. Parce que في هاد الاناليز دي براتيك شنو اللي المشكل اللي عندنا حنا كومونسي شنو عندنا المشكل الكبير؟ D'abord, qu'est-ce que c'est analyser sa pratique? Analyser sa pratique, ce n'est pas juger, ce n'est pas... C'est décortiquer un savoir, un savoir, décortiquer un savoir professionnel pour, à la fin... Donc, c'est Mohamed, oui? الميكرو ديال الاستاذ جرميه صافي راه واقف يمكن راه هذا مزيان صافي. دونك بالنسبه لي هضر لي على لا جيغي لامبريفو راه في ديفولو في الاناليز دي براتيك نو افون ان نونسوم دو شوز لي اليوم كنشتغلوا عليهم. سي ديفلوبي لو سافوار اناليزي, سي ايشانجي, سي كروازي, لان لا براتيك الاناليز دي براتيك ولا اللي فيها ضروري كنهضروا على لا براتيك ريفليكسيف. Parce que l'identité professionnelle, c'est une identité collective, elle n'est pas individuelle. Nous cherchons à ce que les enseignants partagent entre eux, croisent. Quand on dit partager et croiser aussi bien les leviers et les obstacles. Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, c'est développer le savoir analyser. Analyser une pratique, ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut avoir, c'est une compétence, c'est un entraînement. Je vais analyser la pratique de mon collègue. Non, c'est tout un travail qu'on doit faire. Ensuite, on va gérer l'imprévu, parce que l'intérêt de l'analyser la pratique, c'est maîtriser la démaîtrise. C'est-à-dire dans un travail, la pratique réflexive, dans l'action et sur l'action. C'est-à-dire essayer d'avoir un esprit critique, un questionnement permanent, une introspection sur l'agir. Le contenu ou l'apprenant. Aujourd'hui, l'analyse des pratiques, la pratique réflexive, je travaille sur moi-même. C'est moi le centre. Donc, je travaille, mais en tant que je dois m'auto-évaluer, m'auto-critiquer, c'est-à-dire pour développer ou pour le travail sur soi, c'est facile. Le travail sur l'habitus, c'est pas facile parce que ce sont des routines qu'on a déjà installées ou pour essayer de déstabiliser donc les routines et installer d'autres routines, ça a du temps. Parce que déjà, donc, les routines défensives, ils sont validées par le système qui est fait et ils sont protégés par le système qui est fait. Ce qui fait que c'est très difficile, il nous faut du temps. Déjà, on dit qu'il faut, réduire l'écart de ces routines défensives. Si on arrive à réduire, on va arriver à ce qu'on appelle à l'apprenance. Au chocolat, c'est Jamia. Merci bien. C'est Mohamed. شكرا شكرا استاذ المقتدر نعطيو الكلمه للاستاذه زهراء استاذه زهراء السلام عليكم تسمعكم استاذه شكرا خاص للضغوط الرئيسيه لاساتذه التربيه البدنيه وهذه من جهه اخرى كنشكر الاستاذ على هذا العرض يعني القيم الشامل عندي واحد يعني كل كيستيون شي وحدين غيكونوا يعني عام وشي وحدين غيكونوا خاصين لانني يعني مقبله على اجتياز امتحان وما فهمتش شي حاجه بالضبط وبغيت الاستاذ يعني يدي طيها ليا الا كان ممكن بالنسبه للسؤال الاول يعني كيفاش يعني يمكن الاستاذ انه يعرف انه وصل يعني الهدف النهائي الذي ديال الادماج وكذلك الهدف النهائي ديال السياكل يعني او تي سي انه تحقق كيفاش غادي يعرفها وبالنسبة للسؤال الثاني تاعي اللي غادي يكون مركب quels sont les styles يعني d'enseignement les plus utilisés وكذلك بالنسبة للبيداغوجيا شنو هي les plus utilisés في لي بي اس وبالنسبة للسؤال الثاني غادي غنطرق لاطاش لاطاش شنو هي لي ديفيرونس entre les tâches كاين اللي عندنا وشنو هي البيداغوجيا اللي كنستعملوها في كل tâche وكنت بغيت نسول بالنسبه كنقولوا السيكونس كنلقاو تما انا مقطع كيتكون من 3 حتى 4 ديال الحصص شنو هما الحوايج اللي كيخليو يعني استاذ كيدير 3 واحد كيدير 4 على حسب اش كيبازي وبالنسبه ليفالياسيون ليفالياسيون سوماتيف يعني شنو فين كنعطيو لا نوت يعني لي زابرونو شنو هما لي كريتير ليفالياسيون اللي كنبازيو عليهم باش نعطيو لا نوت شكرا بزاف شكرا استاذه ياسر محمد وي دونك شكرا استاذه هي جمعت لنا كاع جمعت الاسئله اللي ممكن خصهم اسي دو طون بوغ باش نشرحوهم ولكن غنحاول ما يمكن باختصار بشي بعد كان سؤال بعدا ديال لي ديفيرونت بيداغوجي انا نظن كنت تطرقت له في, 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 في العرض ديالي كو نو زافون بريسك من خلال من غير سكون ابل لا بيداغوجي ديفيرونسييه ولا دوك لي ديفيرونت بيداغوجي اللي كنهضروا عليهم ولكن في لو بي اس بالخصوص نو زافون بري 3 بيداغوجي اللي هما لي بلوز يوتيليزي سي لا بي ام او سي لا بيداغوجي دو موديل ديكزيكوسيون وهادو سي دانييل بوتشي هو اللي خدم عليهم هو اللي اشتغل عليهم دونك لا بيداغوجي دو موديل ديكزيكوسيون هي اللي c'est-à-dire l'apprenant va faire ce que l'enseignant va lui proposer. C'est une reproduction.
كنسميوها لا بي ام او موديل ديكزيكسيون او بيان دو ريبرودكسيون يعني دير بحال هكا دير بحال هكا دير بحال هكا دير بحال هكا ايتترا ايتترا ولا دونك il va essayer de faire semblable هنا وهادو كاينين دي سيتوياسيون كاينين دي APS اللي où le pattern des fois il est fermé on est obligé de travailler بهاد la manière لان كاين دي شوز اللي ما يمكنش خص الاستاذ خص لابد il doit démontrer ou il dirou بحال هو تلقى مثلا دي فوا هادشي au niveau par exemple la gymnastique artistique راه ضروري داك الا ما كانش ما يعطاكش ما شفتش لو جيست وما درتوش راه سي فري كو هذا كنهضرك على واحد دونك سي اون بيداغوجي دو موديل ديكزيكسيون deuxième pédagogie c'est la pédagogie du modèle auto-adaptatif c'est une situation aménagée où je vais inciter l'apprenant à apprendre une situation où la solution est mais essentiellement par exemple des fois on travaille par exemple en basketball il a on veut le par exemple en basket qu'on veut le extension bien double semaine des fois 1 2 3 كتلقى مثلا الاستاذ il peut proposer de sauter donc هذاك le saut الاخير il va essayer de dire que la phase aérienne اللي كنتكلموا عليها on va essayer de proposer une situation aménagée les mkhilalha غادي ممكن ممكن on va obliger prenant à faire la chose مخلال هاد الاخر on peut faire beaucoup donc هذه وحده le choix du modèle auto adaptatif de décision tactique اللي هضرنا عليها c'est une pédagogie ou proposer une situation problème. Normalement, les pédagogies pédagogie par essentiellement sur la pédagogie sur situation problème. C'est-à-dire, on doit poser une situation où l'apprenant essaie de trouver une solution. هذه جينيرالمون مع الاسف الشديد حنا هذا هو كما قال بلال واحد الاخ سي جيرمي عندنا مشكل ديال بعض المرات لا كونترينت دو طون لا كونترينت دو طون ولا كون ديال لي في ما تقدرش بروبليم يلاه دغيا خصك دوز بان اكزرسيس بان اون بيداغوجي دو موديل ديرو بحال هكا دونك دي فوا مع الاسف Alors que normalement, dans une situation, la meilleure manière de construire un vrai savoir, c'est-à-dire qu'il doit mobiliser Hadouklé. C'est très, très important. C'est très difficile d'arriver à... opérationnel. Alors, des fois, on propose l'objectif, mais ça dépend des critères de réussite les candidats. Il y a des critères qualitatifs ou les canaux quantitatifs. Parce que alors, on ne peut pas l'objectif final. 40 واحد tu peux voir concrètement على حساب l'objectif اللي غادي تحطو rationnel concret اللي خصو تشاف بالعينين ماشي نحط انا غير une compétence هكا comme ça donc هنا c'est très très important شي سؤال الله ما عرفتش شي سؤال سي محمد الثالث ما شي حاجه على تيكونس كوا نظن نخلي سي بو العقول يجاوب احسن الا كان سمع السؤال واخا استاذ
مرحبا مرحبا سي بولعقول. فوالا كتسمعوني؟ لا تنسمعوك أستاذ. كنسمعوك غير بالنسبه لكتكمله الجواب ديال السي ديال الاستاذ المحاضر ديالنا سي بالقضاء وقت اللي كتطلب ديال كيسيل دونسينيومون هذا هو اللي هذا هو اللي اسكون ايفيت اسكون ايفيت حنا في لي ريبونس ديالنا لحقيتاش ما بغيناش الاستاذ ياخذ دي ريسيرش ويقول هذا هو لو ستيل اللي ناجح نو لو بروفيسور سي سولوي كي لو بروفيسور افيكاس سي سولوي كي سو كونستروي سون بروبر ستيل دونسينيومون le formateur qui قدم ليه واحد لو ريبيرتوار دو ستيل اللي هما تراكمو عبر عبر التجربه الانسانيه زيني لو ستيل ديريكتيف لو ستيل نون ديريكتيف لو ستيل اوتوريتير لو بروفيل ديموكرات اكسيتيرا المهم كيبين ليه مجموعه من المدارس يعني لو كومبورتمونتاليست سلوكيون اللي كيمشيو لي بروسيسوس كي اكسيتيرا ولكن الاستاذ هو il se construit son propre style علاش لانه كما قلنا قبيله استاذه بانه في لو دومين ديال البيداغوجي ما كاينش سكيل فور فير في لو دومين ديال البيداغوجي هي اشنو درتي واشرح ليا جوستيفي في تي زارغيومون جوستيفي تي شوا بيداغوجيك لامبورطون سي داريفي او ان ريزولتا لي هو اسكونتي سويتي peut-être avec des vitesses différentes les net derrière كل واحد كيفاش كيوصل peut-être avec des méthodes différentes كل واحد كيفاش كيوصل الدليل على هذا هو انه لما قالوا لنا لي بروفيل بيزاغولوجي كنذكروا غير هاد الثلاثه اللي كيقول لك لي فيزيال لوديتيف ولو كينستيزيك دابا لما الاستاذ كيبغي مثلا يطلق واحد لا سيتوياسيون كيبقى يشرح 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 ولكن راه شكون اللي فهموا اللي فهموا مزيان هما اللي كيقولوا لي زوديتيف هما اللي كيتفكروا من الصوت ديال الاستاذ كيعرفوا واش بغا يقول il se construit et il se représente mentalement داك لو بوت اللي بغا الاستاذ يوصل ليه و il exécute لي فيزيوال كيقولوا كيتسناو كيتسناو دوك الاخرين يدوزوا كيقول لي واش الا بغيتي غير بحال هادي انا كنعرف ليها فهمتيني وكاين اللي كينستيزيك هما اللي كيطلبوا التجربه هما اللي كيخصوا دائما ان سي غراتوي دو سي غراتوي دوز كوم سا il doit ressentir هو عنده لا 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 avec le modèle ou le comportement se construit à travers l'expérience motrice. Donc ce qui fait là, ce qu'on a besoin de nous, c'est que nous avons besoin de la psychopédagogie ou de la psychologie, les styles pédagogiques. Nous avons besoin de nous, bref, nous avons des modèles, nous avons besoin des vidéos, pour nous dire des choses d'autres, des modèles, peut-être un modèle, peut-être une photo, un dessin, fini, peut-être ou même pas qu'on lui dit qu'on ne l'apprend pas on ne critique pas au premier essai au deuxième essai, on laisse faire et on laisse les enfants expérimenter les choses mais c'est la question le modèle les amis, nous sommes dans le domaine sportif quand j'y vais dans le domaine sportif comme support, éducation physique le modèle sportif, il est là il s'impose il est les élèves, ils se construisent leur propre modèle. Par rapport à quoi ils vont travailler, par rapport à quoi ils vont toujours ils cherchent une référence quelque part. Et un champ d'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur va réduire l'écart entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Brique, j'y vais le panier, brique, j'y vais le panier, on marque le tâche. Et donc, quand on dit, il y a un marqueur, ou quand on dit, il y a un marqueur, il y a un marqueur. Donc, avec le modèle, il y a un marqueur. Comment marquer الاول بالنسبه لنا حنا كنقولوا ديسفور ماشي مشكل كيما ماركتي ماشي مشكل ولكن افيك لاج سابوز لا مانيير ملي كتدخل في لا مانيير كتدخل لو موديل سبورتيف ولا لو موديل دو سيلوي كي ريوسي دون لا كلاس نعطيكم غير مثال بسيط لما كنديروا لا باساليس دو جروب واحد الجروب كينجح واحد من الجروب ما تينجحش داك الجروب اللي تينجح تيولي ياخذ كوم ريفيرونس للموديل الجروب اللي كينجح وبيناتهم كتسمعوا كيقول علاش الاخرين تمكنوا يديروا دي باس حنا ما تمكناش راه هما كي استاذ راه هما هذوك راه كيتشتو تيرا استاذ راه هما كي كي كيعطيو لي باس بزاف كيتحركوا بزاف في جو موفمون اي اوكي بيز سباسيب دونك لو موديل ماشي نقول لو موديل ا ريبيتي يعني انا بغيت نقول ميكانيكمون بارلون ولكن il y a une référence quelque part هاد الريفيرونس كيما قال سي بالقضاء هي ماشي عيب نعلموهم لي ديفيرونت مانيير دو باس
les techniques de passe, les techniques de tir, les techniques de feinte, les techniques de conservation de la balle, comment conserver. Mais chiaïb, le problème, il y a la compétence. Il y a comment utiliser les ressources, la confrontation. Comment utiliser, comment mobiliser les ressources. Comment utiliser la confrontation. تقدر ما كيتيريتا واحد الوغ كون حنا تعلمنا كثير ولكن ما حتى واحد ما كيتيري الباني علاش لان اللي كيما استطاعت انها تبروكي جميع لي كوروار استطاعت انها تبروكي لي ميور تيرور ما كاينش لي تير الوغ لي تير كي تعلمناهم اصلا كنتي كنشوفو دراري ديال لايسنس كنشوفو في لو هو نيفو كنشوفو دونك سكي في العيب ماشي هو لي تكنيك سبورتيف العيب ماشي هو انه كنتعلمو بابور الموديل اللي هو كيسوا يعني كاين غي Elle est là, elle s'impose, surtout la gymnastique, la production de forme, la roulade avant, la roulade. On ne va pas répéter l'expérience humaine pour rouler en avant, pour faire une roulade avant. Là, on les raccourcis, comme les dernières innovations humaines dans le domaine de la motricité. On va les dernières innovations. Ils sont efficaces et efficientes. كنا غير كنجريو من اجل الجري راه غيجي واحد الوليد ما داش كاع السيد الفيتاس ويربح لا كلاس كلها ولكن جرى بواحد لا مانيير اللي معنا كنقول ليه جري فيت ولكن جري افيك واحد لا تكنيك كولتورال التكنيك كولتورال هي جريتي تري بيان ولكن راه كنتي ما كديرش سانكرونيزاسيون مزيان كتزيكزاكي في الكولوار لو روغار ديال ولكن كيقول لك استاذ لا بيرفورمانس ديالي راه مزيانه احسن من الاخرين ولكن كيقول لي حنا راه كيهمنا لا بيرفورمانس كيهمنا لو بروسيسوس هذاك البروسيس منين جبناه هذاك البروسيس جبناه من الدومين سبورتيف الا مشيتي للدومين ديال الار غتجيبو من الدومين ديال الار الا مشيتي للدومين كولينير غادي تجيبو من الطبخ غتجيبو من حتى الصباغ الا بغى يعلمك غيعلمك كيفاش تهز السطل وكيفاش تشد البانسو وكيفاش تطلع في السلوم يعلمك لي تكنيك دي تكنيك دي زابيليتي موتريس سبيسيفيك للدومين ديال البانتور دونك العيب ماشي هو هذا العيب هو انه ملي تحط واحد لا سيتياسيون كيل ريسورس تي فا موبيليزي Quels apports tu vas mobiliser? Quel. Voilà ce qui est important. Ou si vous voulez, je vous remercie. Bonjour, Oussad. Bonjour. لا سي عبد العزيز بارك الله فيك شكرا دائما سي عبد العزيز في الاغناء ويعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا نعطيو الكلمه للاستاذ نزهه السلام عليكم اولا بالرسميه دي بروفيسور دو بي اس او ماروك على المواضيع القيمه والمتنوعه اللي كتحفنا بها كل مره وايضا الشكر الجزيل يعني الدكتور القادر السي بنقاده على العرض اللي كان فيه دي زانفورماسيون اي تو دونك مسيو جي 3 كيسيون الا كان ممكن دونك كيفاش كتشوف يعني كيف ترى التوجيهات البيداغوجيه لماده التربيه البدنيه غدا أستاذ الكريم بحيث أن يعني 2021 كما كتعرف يعني أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعني في أوجها والسؤال الثاني يعني كما قال السيد المفتش كنا ننتظر منكم يعني أستاذ الفضل أن تفسري ما قلته على أرض الواقع وخاصة يعني وجسولين هذه الوضعية التعليمية التعلمية وإذا أمكن يعني أريد تفسيرها بوضعية في أي نشاط يعني في أي نشاط رياضي ويعني والسؤال يعني الأخير والسؤال الثالث يعني باعتباري مقبلة على اجتياز يعني مباراة التربية البدنية والرياضية يعني هو شوية سبيسيفيك كومون جيري دابخي بو مون شير بروفيسور لي زاليف بيرتورباتور ميرسي دونك سي محمد كنشكر الأستاذة نزهة نتمنى لها حظ ان شاء الله جيد وموفور في الامتحان ان شاء الله الله يسهل الامور دونك بالنسبه للسؤال الاول ديال الاورينتاسيون بيداغوجيك راه تحدثنا على سي فري كو نورمالمون اون دو اكтуаليزي سيغتان كو الاخوان اللي راهم مسؤولين على هذا القطاع دونك يل بونس واخا ماشي ما كاينش في الاورينتاسيون بيداغوجيك ولكن اليوم الحمد لله les ressources numériques, ils sont là. Les ressources numériques, ils sont là, pourquoi ? Vous savez que le savoir, il a subi une mutation énorme. Une mutation depuis avant Jésus-Christ,
La première période, c'était avant Jésus-Christ. Le savoir était supporté, objectivé par l'humain. On disait que c'était un savant parce que le savoir, il est là dans son corps et son esprit. Il devait apprendre beaucoup de choses pour dire que c'était un savant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, avec l'émergence ou bien l'intervention ou bien de l'écriture, on a donc un déplacement du savoir d'un homme vers l'écriture. On écrivait souvent dans des parchemins, donc les rouleaux, donc le jlouda ou l'akhiré, ou la fouhait, ou la fouhjar, ou l'akhiré. Donc, le savoir, il a subi une mutation. Ou nasme brach, ou ma'jbach l'hal, ou alash, karsil alim, sukul kayaraf, et l'akhiré, la première mutation. C'est très bien. La deuxième mutation, c'est que avec la découverte de l'imprimerie. L'imprimerie est souvent le papier. Donc, le savoir, encore une fois, il a muté même les parchemins vers l'iktab ou l'waraqa. La même chose, la population d'Yeldeklort n'a pas voulu, n'a pas accepté, ils ont été déstabilisés. Voilà, ce n'est pas bien, il a khiré. Donc, c'est la deuxième crise. La troisième crise, l'imprimerie, c'était en 1470 par Gutenberg, l'allemand. Menbed, après l'évolution de ce qu'on appelle la révolution numérique, la révolution numérique, elle nous impose, elle a changé notre mode de vie. Donc, l'individu, il a deux choses à faire, soit d'accepter, de subir et renoncer, ou bien d'anticiper et d'avancer et de s'épanouir. Donc, il faut que ça m'y aide, Donc, encore une fois, il y a un déplacement, une mutation, le savoir, c'est ce qu'on appelle une toile. Donc, toujours, on est déstabilisé. Ou remarquez une chose, que dernièrement, le temps d'appréhension, le temps, l'image, 20 secondes, 30, 40 secondes, d'abord, les spécialistes parlent de 7 secondes. Remarquez que si quelqu'un vous envoie sur WhatsApp une vidéo qui a 5 secondes, 10 secondes, mais que tu brises, tu feras fiha, que tu l'ouches. C'est-à-dire que l'image ne peut pas dépasser 7 secondes. On nous a conditionné par le bombardement d'images. Donc, on a nous devons s'adapter avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle manière. Donc Lyon, le PS sans nouvelle. D'ailleurs, déjà raconté, c'est un petit travail sur ma chaîne YouTube. Elle a l'utilité de l'outil informatique. On peut évaluer à travers un outil informatique, par un téléphone, par un smartphone, par une tablette, par un PC, par une vidéo, il y a beaucoup de choses. On peut passer par exemple des fois, les capsules, je travaille beaucoup sur les capsules, maintenant au stade, il y a une petite capsule, il s'est fait le thème de l'Oqbel, pour le cours, c'est ce qu'on appelle la classe inversée d'une autre manière. Et donc, l'outil informatique, il est devenu essentiel, hein, quelque chose d'incontournable. Donc c'est vrai, obligatoire d'utiliser les nouvelles technologies parce qu'ils sont devenus importants. Elle m'a parlé de comment gérer les élèves perturbateurs. بالنسبه لا بيرتورباسيون لو بيرتورباتور كيقول لك باش تفهم الاستاذه كيقول لك دائما ملي واحد الانسان كيدير واحد الفعل عدواني ولا كيبغي يغوت ولا كيلاخر كيقول لك ان صرخه الاحتجاج التي نراها عند المتعلم هي صرخه استغاثه
قبل أن تكون صرخة احتجاج. وفي الحقيقة يحتمل هو يحتج على إشكال على مشكل عنده داخليا. وهنا المشكل يقدر يكون عدة، إما إلا شرحنا لأن هنا غتكون احتجاج أو دون مانيير سيت اون فيولونس، قد تكون اون فيولونس فيربال أو بيان اون فيولونس violence non verbale, les très important. Alors, je vais la codifier. La violence fouleur qui est goul wahed kelima ra'a'a. La comment la violence commence où la parole s'arrête. Yabda'u al-'unf 'indama yantahi al-kalam wa yatawara al-hiwar. C'est-à-dire que هذاك المتعلم داك le perturbateur, il a quelque chose. Il faut le qui dit Philippe Mérieux, il y a trois choses pour prévenir la violence. D'abord, il faut différer. Le mot différer, c'est-à-dire ما تدخلش معاه في الكونتاكت سور بلاص. Il faut différer, c'est-à-dire خلي حتى من بعد ما تدخلش معاه قدام شي. Il faut prendre en considération les élèves, معامن شكون هما, parce que راه الا درتو قدام الدراري غادي sa réaction sera très difficile. لان بعض المرات هذاك المتعلم الصغير كيقدر يكون عنده مشاكل عائليه ولا مشاكل. ومن بين احسن la définition اللي ابهرت بها في لا فيولونس هي يعني اللي تفسير لا فيولونس هو تفسير سوسيولوجي. ان العنف هو محاوله لاثبات لذات مهدده ومرتبطه مرتبطة avec le lien social. كلما كان الرابط الأسري قوي كلما كان العنف يعني أضعف. Donc c'est une tentative d'affirmation d'une identité menacée et proportionnelle à la qualité du lien social. Plus un lien il est fort socialement, plus on d'ailleurs, Michael Chauffounès, des gens violents, c'est souvent des gens qui ont un hachacha, yani, ijtimaïa. Ça, c'est très. Donc, je vais vous demander de vous dire beaucoup. Oustad, بغيت شرح ديال الوضعية التعليمية التعلمية وقالت لك بغيت شي مثال. أعتقد أن الوضعية التعليمية التعلمية c'est une situation d'apprentissage. أي situation d'apprentissage اللي ممكن أي أستاذ ولا أي واحد يديرها في أن apprentissage c'est une situation donc اللي هدر ستيل شهاب مثلا على لي باس هدر على غير une situation de passe à 10 راه c'est une situation d'apprentissage. Une situation اللي ممكن par exemple في الفولي par exemple on peut travailler le rebond 1, 2, 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, et je fais passer, c'est une situation d'apprentissage. Je ne sais pas. Donc, le passage, Nisbel, je suis un petit. Le travail de la passe, le passe de la poitrine. La poitrine, c'est une trace, le passe au rebond, ou la passe haute entre deux élèves, etc. Ce sont tous des situations d'apprentissage. Les appellations, bzaf. C'est vrai que Rentrouf, la tâche, et c'est un exercice, c'est une situation. Ce sont des dénominations qui nous mènent à la dérive. L'essentiel, c'est de proposer un contenu approprié pour que ces élèves apprennent quelque chose. Mais là, il y a un débzoul, il y a un débzoul, بقوا سنوات وهما غير واش هذا ولا هذا. ونكمل لكم بواحد نكمل لك بواحد المقوله رائعه ديال واحد قال لهم فو لي تيوريسيان فو زيت دي ريفور فو زافي اوبليي دو فيريفيي دو فو بروبو alors que nous les praticiens nous sommes des pédagogues en train de tâtonner entre des propos qui sont confus. وشكرا استاذ. شكرا الاستاذ المقتدر على الشرح المفصل جزاك الله خيرا. واحد السؤال الأستاذة هدى, لا ديفيرونس اونتر ليفيكاسيتي و ليفيسيونس. والله السي عبد العزيز, شوف لي السي عبد العزيز. السي عبد العزيز جاوبها في
هنايا ليفيكاسيتي اتاندر لو ريزولتا افيك ماكسيموم ريوسيت ريوسيتيونس اتاندر لو ريزولتا افيك ان مينيموم دينيرجي مونتال اي فيزيك. Donc c'est vrai parce que quand on arrive avec efficience, c'est minimiser l'énergie mentale et physique. Ou là, radim chou la forme d'automatisation. Lorsqu'on arrive, les quatre étapes, les canhil et wahdi qrahom li ma qrahomch, les quatre étapes de l'apprentissage diel bonnet, huma diel l'automatisation, la dissociation, l'équilibration et la coordination. Ce sont des concepts extraordinaires pour comprendre le concept de l'apprentissage moteur. Parce que quand on arrive à automatiser un geste, c'est-à-dire le passage du visuel au kinesthésique, c'est le top. Mais pour arriver à l'automatisation, on passe par la dissociation, vers l'équilibration et vers la coordination. Dans la dissociation, donc toujours il y a une centration, on cherche la décentration, nous avons une juxtaposition, on cherche la coordination. Et donc c'est un concept très riche. اللي خاص اي واحد تيخدم على لابرونتيساج موتور لان كانوا بعض المشاكل ديال بعض في لي بروغرام دونسينيمون اون ترافاي با سوفون سور بوني انا كنشوفو اللي بلو كونكري اللي تندير اوتوماتيزم كنفهم بالضبط كيسكو سي سيتادير من لا سونتراسيون لا ديسونتراسيون من ملي كنوصل لاوتوماتيزم سيتادير plus, moins d'énergie avec efficacité ou bien avec efficience, c'est mieux. Aussi, voilà, quand je crois d'aïmen, les rahna, ils nous épaulent et ils nous aident. C'est très gentil de sa part. Merci, on se complète assez. On se complète. L'échange, il est bénéfique. بالنسبه للاخت اللي تكلمت على كيسك ليفيكاس ليفيسيونس باش نشرحوها للاخوان بطريقه مبسطه عندك واحد الالاف عطيتيه يدير دي تيرو باني في 10 ديال لي تير جا في الاول جوج ريوسي ويت نو اي ني با ايفيكاس ا فورس دو ريبيتي ا فورس دو سونتريني اي لاريف ا فير دي تير دي باني دي بوين دونك كنوليو نقولوا ايفيكاس بحال ان بي اي ا شاك فوا كي لا لوكازيون دو تيري اي مارك اي ايت ايفيكاس ايفيسيونس c'est qu'il marque avec aisance, tout simplement. Il marque avec aisance, ça veut dire qu'il ne déploie pas un grand effort pour marquer. D'accord? Ou avec l'effort, qu'il soit physique et mental. Mais qu'il cherche beaucoup, mais qu'il cherche beaucoup, qu'il va marquer, ou qu'il va dans le domaine de l'automatisation. Voilà, c'est une définition qui est très simple. Ou qu'il va apprendre ça, Allah شكرا سيد المفتش شكرا جزيلا سي عبد المجيد شي كلمه اخيره قبل ما نختموا هذا اللقاء بصراحه انا جد سعيد على هذا اللقاء وعلى هذا التفاعل ديال الاستاذ المفتش سي عبد العزيز سي الشهاد الاخوان كاملين الاستاذه زهال الاستاذه زهراء الاساتذه سي جرمايا اعتقد سميه مع يعني صراحه كنشكرهم جزيل الشكر وانا صراحه هنا ما جيتش باش بوغ ان تي بو بور بروفيسي لكن جيت نقدم واحد لو كونتوني اللي تناقشناه اللي جي بارتاجي جي ايشانجي ان كونتوني وحتى انا الحمد لله استفدت بشحال من حاجه من عند السي عبد العزيز السي شهاب دونك كنشكركم جزيل الشكر اي جو في غوميتر اون كيستيون بوكو دو شوز اي جو في اناليزي ما براتيك هادشي اللي قدمته شنو كان خصني ندير وما خصنيش ندير لا بروشين فوا اي اون ميم تو جو في اناليزي ما براتيك لا بروشين فوا بور ايسيي دو بروفيسيوناليزي ما فيتور انترفونسيون وشكرا جزيلا للجميع السي محمد السي عبد العزيز الجميع ونتمنى نكون كنت خفيف ظريف عليكم ووفقنا الجميع وشكرا جزيلا شكرا الاستاذ الكريم على العرض القيم والمفيد شكرا للساده المفتشين السي عبد العزيز والسي الشهاب شكرا للساده الاساتذه المتخيلين اللي غناوا النقاش بالاسئله ديالهم والمداخلات ديالهم شكرا لجميع الحضور الى اللقاء وموعدنا ان شاء الله في ندوات مقبله شكرا شكرا سي عبد المجيد